Allez, let's go Je suis avec Quering les gars, salut mon Quering, comment tu vas ça va, ça va très bien, ça va très bien, merci de me recevoir déjà, c'est cool. Bah, grand plaisir, je suis très très content de faire ta vidéo, cette vidéo avec toi, je t'ai demandé juste après ton D3 du coup euh, si tu pouvais être dispo et t'as tout de suite répondu positivement, ça me fait grave plaisir. Et, euh, et du coup, comme je viens de le dire, on va review ton D3 du main event des dernières Winamax Series, donc à 125 balles, ouais. où sans ouais, spoil, t'as quand même plutôt bien run. J'ai essayé, essayé de reproduire les pas des grands garçons comme toi, mais bonjour. Ah, on pas je... réussi <laughs> d'aller aller, aller jusqu'au bout, mais voilà, on a essayé de copier les grands. Après, il faut une dose de chatasse, hein. <laughs> tu connais. Il hey, voilà. manquait 2-3 flips là. Ah, mais je, non, je, je non, t'as quand même fait une paire de fou, et moi, comme je disais quand je te racontais, euh, j'ai fait ma session du jeudi qui était le dernier jour des séries, et, euh, et en plus j'avais ta table, parce que du coup on avait parlé la veille, j'avais vu que tu t'étais qualifié pour le D3, et du coup bah... C'était un, un des seuls que je connaissais qui était au D3, donc euh, j'avais trop envie de suivre et comment ça allait se passer et tout. Et franchement, j'ai vu des coups qui m'ont beaucoup plu. Et, euh, et c'est aussi pour ça que je t'ai demandé de faire cette vidéo. Euh, je pense qu'il y, y a énormément de choses intéressantes à discuter et puis on va, on va voir ça ensemble. Yep, avec, avec grand plaisir. Du coup, on commence au début de ton D3. Tu vois bien mon écran euh, là, coin Ouais, c'est bon. Ouais. As 9 off, t'as 32 blindes. Euh, tu commences avec cette main là. On va, on va dérouler les coups un par un, les gars, et puis on verra comment ça se passe derrière. Euh, du coup, tu open euh, UTG euh, ou Jack. Tu vas check sur ce flop. Je pense qu'il n'y a rien à dire. C'est un flop où tu vas check range quasiment, j'imagine. Bah, de toute façon, ouais. OOP, on va avoir une strat de check range. On va jouer check call, check fold, check raise. Ok. Euh, Terre intéressante ici. Est-ce que tu veux discuter du fait de, de miser Sur quel sizing tu vas, tu vas attaquer euh... hmm. <coughs> Il y a une grosse partie de ma range qui a envie de miser. Euh, mais il y a plein de mains qui n'en bénéficient pas. Euh, notamment des. Pair de 8, pair de 9, pair de 10 qui vont pas forcément dealer ses bêtes, pair de valet, euh, les low pp, des, des, des randoms, euh, genre mon bottom de genre, valet 9 soude qui peut, genre si j'ai valet 9 de trèfle, je peux décider de jouer en check call par exemple. Mm -hmm. euh, et genre euh, mes bottom A6 en fait ne bénéficient pas suffisamment de value. Euh, alors il faut savoir que là in game, la première et la seule info que j'ai, c'est que mon adversaire c'est un mec à BI6. Il, okay. il est à BI6, il est perdant sur 1200 games. Donc je l'ai jamais joué, je viens d'arriver à la table, mais il avait ici 6 il est perdant sur 1200 games, donc je sais que c'est un joueur récréatif Qui par défaut va avoir une range relativement tight, et euh, il va faire genre beaucoup beaucoup d'erreurs Mais du coup dans ce spot je sais qu'en fait il a, évidemment il a le a, a droit d'avoir genre As-Dame, As-Valet, As-10 etc Et euh, genre As-9 c'est vraiment genre, euh, bah c'est mon top de range de mon bottom de range si tu veux Mais du coup j'ai estimé que j'avais pas de value ici et que j'étais content de genre checker deux fois et juste value la river tu vois Ouais, et voilà, je, dans, dans, dans ma tête, j'avais déjà prévu de simplement value, euh, One Street Value River. Quand ça check back turn chez lui également. Et, il euh, et là, il décide de faire 5 <laughs> blindes dans 6. Et, euh, et j'ai pas pris très longtemps en vrai. Il m'a fallu 4 secondes max avant de folder. Ouais. Euh, voilà. Pour la simple et bonne raison que du coup, bah, joueur à b 6. Euh, comme je l'ai dit, il a, il a les As Valet, les As 10 euh, et tout. Et en fait de la même manière que en fait je pense qu'ici, un joueur de bah, de ce calibre là ne va jamais bête ces sizing là en bluff en gros si je lui donne admettons il a genre valet 10 euh, roi valet euh, roi 10 en fait il va juste bête genre mi pot un tiers deux tiers mais là le, le fait de faire genre 80% pot en fait il, il met quasiment que de la value là dedans et il aura jamais assez de bluff tu vois et, euh, et en fait même si tu réfléchis au bluff naturel genre les, un potentiel genre 8 et 9 9 et 10 etc c'est des mains qui vont bet flop il n'aura pas la force de delay turn sur un as ouais. Et, euh, et du coup, il se retrouve avec une range qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop strong. Donc j'ai quasiment Snapfold. Et euh, bon, il bah, faut savoir que du coup, le DA3 a été commenté en direct cards up, avec 15 000 de délai. Et bon, je me suis pas trompé, puisque 15 minutes plus tard, j'ai vu qu'il avait Broland 7. Ah Donc, ouais, assez content de J'étais assez content de mon Reed. <laughs> ouais. Ah, t'es passé entre les balles là. Il a check back ouais. breland 7, c'est intéressant. Tu vois, moi, j'étais persuadé que ce genre de profil ça. aurait, aurait rebet euh, flop, quoi. Intéressant. Ah. Du coup, moi aussi, mais en fait, je ne l'ai même pas mis forcément pour dans sa règle, ouais, je lui ouais. ai juste dit oh, As-Valet, As-10, as ah, euh... as ah. as dans le pire des cas, et en fait, je gagne jamais. Genre, il va jamais faire ce sizing-là avec As-5-soute qui n'a pas trop mètre ouais, ça, ça. Ouais. Donc, en fait, ouais, complètement d'accord. C'était assez simple de faire pour moi. D'ailleurs, on a jump direct dans l'action, mais je t'ai pas demandé comment tu comment abordais ce D3. Est-ce que tu t'es préparé Tu avais une situation particulière euh, Parce que du coup, tu as D1, D2, euh, le D2 était juste Alors... la veille Ouais, alors forcément, bon, euh, le D2, j'avais aucune attente. Je me suis qualifié avec 30 blindes. La moyenne, elle était à 55. J'avais genre un, un demi average. J'avais aucune attente. J'étais en stream chez Winamax. J'étais juste en mode, ok, cool. On va, on, on va partager ça avec les gens et tout. En fait, le, le Day 2 c'est super bien passé. J'ai eu que des, que des, que des coups, euh, que des, des setups positifs, etc. Enfin, C'était vraiment bien. J'ai quasiment, enfin, bref, j'ai été dans les cheap leaders quasiment tout le long du Day 2 enfin, C'était assez fou. Et euh, donc, forcément, évidemment, entre la. La veille, enfin, la veille, ce moment-là, bon, j'ai mal dormi, etc. J'ai fait une sieste. Bon, <laughs> j'étais dans une certaine. Enfin, en fait, je me, je me projetais beaucoup, mais j'avais aucune attente dans le sens où, en fait, je me voyais déjà gagner 400 mille euros, waouh, la vie de fou et tout. Donc, en fait, j'avais. J'étais pas mal anxieux et tout, mais j'avais pas d'attente. Genre, je savais que potentiellement, je pouvais me faire éliminer à la 55e place, parce que du coup, au day 2, on est 62 joueurs restants. Et j'étais déjà prêt à potentiellement me faire éliminer en 50e position. Prendre 5000 euros et j'étais là en mode ok, bon, cool, euh, allez, next, tu vois. Et euh, du coup, j'avais pas d'attente, mais je m'étais tellement projeté dans ce tournoi que du coup, évidemment, le day 3, je l'ai monotablé, je jouais que ça. Et euh, j'étais à fond dedans, mais, euh, mais j'étais prêt à busto, quoi. Genre, j'ai. De toute façon, j'ai jamais été quelqu'un de très scared money. Ouais. Euh, j'ai déjà joué pour des grosses, grosses sommes. J'ai eu la chance de faire la table finale du, du 1000 euros Winamax en avril 2022. Il y avait genre. Il y avait 250 000 euros à la gagne. Et euh, c'est un truc. Alors, alors, à ce moment-là, j'avais genre 10 000 euros de bankroll Je jouais pour 250 000 euros. <laughs> et j'avais Et j'avais aucune pression. Et je saurais pas t'expliquer. juste que, en fait, je me mets très souvent des paliers. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'avais 10 000 euros de bankroll Et je me rappelle qu'à 14, 14 left il y avait un palier à 15 000 euros. Et je me suis dit, voilà, là, quoi qu'il arrive, je viens de faire x2 avec ma bankroll ouais, C'est okay. déjà incroyable. Donc, à partir de maintenant, je prends que du plaisir. Que, voilà, et et je, je joue. Je joue mon poker et je m'en fous. Si je me fais éliminer, de toute façon, je serai déjà content. Et du coup là c'est un peu pareil, j'essaie de me projeter en mode gros, c'est un 125 euh, t'as déjà pris 5K, c'est bien, machin avance mais genre tu sais que tu peux te faire éliminer à tout moment, ça fait partie du jeu, mais du coup j'ai enfin, j'ai jamais été freiné par euh, l'enjeu, que ce ouais, soit ouais. financier ou autre, c'est jamais un truc qui m'a qui m'a impacté. Du coup, j'étais euh... en vrai, j'étais assez assez calme, assez confiant, tu vois. Genre forcément à 30 tout je commençais à vibrer et tout quand je gagnais des coups, mais genre j'ai jamais eu peur de mettre les chevaux au milieu quoi. Voilà. Ouais ouais, très intéressant. C'était Ouais, Et en étant conscient quand même que si t'allais loin, tu pouvais, euh, tu pouvais kiffer de ouf. Quoi. Ouais, c'est ça. Non, mais ouais. par contre, j'ai vibré. Tu vois, à chaque, chaque fois que je gagnais un quad et tout, j'ai vibré. Mais euh, voilà, j'avais juste. Euh, je connaissais mes ranges et je les respectais, quoi, en gros. Ouais, bien sûr. Bah, moi, en tout cas, j'aime beaucoup le, euh, le coup avec As -9. Ici, Ça fait partie un peu des, des coups que t'as joué sur, cette, euh, sur ce D3 que j'avais apprécié. Alors, ouais, j'en euh, avec 5 et 2. Je pense que t'as pas joué. Je déroule rapidement, mais voilà. Ouais. Euh, on va faire que les coups que t'as joué parce qu'il y a quand même 200 mains. Euh, tac, q je pense que ça a du fold. Hop. Ah, avec... C'est de... bon, ouais. Fais avec les flèches, tu iras plus vite. Hein. Avec les flèches? J'aime bien regarder de temps en flèche. temps s'il y, euh, y a un peu d'action euh, là, t'as au Non, mais non. Ah mais en gros, tu fais genre flèche de droite pour passer à la main suivante ah, et flèche passer... de haut pour dérouler ah, le coup. Moi, je suis un boomer. <laughs> Laisse-moi tranquille. Du coup, tu fais flèche de droite, flèche de gauche, euh, flèche de haut en milieu. Ah, en même temps, je veux dire. En fait, tu vas genre trois fois plus vite. Quoi. Mais va voir un boomer et lui changer ses habitudes, c'est pas possible. C'est trop compliqué. Vrai. <laughs> ouais, c'est compliqué. Ouais, te faire plaisir. Au moins, t'auras pas le clic. Au moins, il y aura pas le clic sur la vidéo. Ça, c'est un vrai euh, un vrai atout. Euh, du coup, tu t'as défendu en... enfin open jack, défendu en small blind. Euh, 18 bébés. Euh... J'ai pas, euh, pas beaucoup d'infos sur lui. Euh, ouais. je, il a il a 150. Et euh, la, la veille, on m'a envoyé un message comme quoi c'était le rename d'un reg portugais, je crois. Okay. Euh, donc je sais que c'est un bon reg. En plus, il a 150. Donc voilà, je, je me méfie. Ici, sa range, en vrai, j'estime qu'elle est quand même relativement strong. 20 dip il a flat. Et en vrai, bah, il a le droit d'avoir genre deux as. Il a le droit d'avoir genre des. Bah, des monstres en vrai qui attraper avec la, la bébé euh, ouais. short et, euh, et de toute façon, enfin, il va. Je, je m'attends pas à ce qu'il colle des, des mains comme ça et 6 et tout à ce moment-là du tournoi, ce qui devrait être fait euh, normalement, genre euh, en cheap survey. Mais Là, du coup, avec l'ICM, etc., je, je pense que ça va relativement strong. Ça va être très euh, très Broadway heavy, etc. Euh, du coup, la flop en vrai, j'ai un checkback qui est assez facile. J'ai ouais, donc backdoor flush top person kicker ouais. Valet euh, il décide de leader Qu'est-ce que tu penses de, ce... de son lead ici à ce moment-là euh, Il a encore tous les bluffs du monde. Donc, euh, turn, c'est infoldable. Euh, il a encore les trèfles. Il a encore les rois dames qui peuvent commencer à miser turn, sachant qu'il bloque mes meilleurs assis, etc. Bon, après, en vrai, il est pas... je, je suis pas censé check back à ce Roi -Dame, donc on s'en fout un peu. Mais il a le droit d'avoir les dames dissoutes, les rois dissoutes, etc. Euh... Il a encore les, les cœurs qui ont qui ont mis qui vont commencer à euh, turn. Euh, je, en fait, mon thinking c'est que il peut bet quelques valets turn. Enfin, euh, c'est ce qui m'a fait call river. Je joue le quoi l'envers. Mais euh, turn, en gros, je me vois jamais foldé et, euh, et du coup bah donc call. et river. Euh, en fait, il a vraiment fait le sizing parfait. Genre vraiment parfait. Genre, je te jure, genre s'il avait misé genre 4,2 bébés je folle. Genre vraiment, c'est le sizing où genre, en fait, j'ai, il suffit que, il suffit qu'il ait genre un combo de, de... de roi 10 de trèfle, euh, un combo de de dame 10 de cœur et c'est fini. En fait, je, je... je dois call. Tu vois. genre vraiment, il lui, il lui faut vraiment genre deux trois combos de bluff, puisqu'en fait, sa value, ça value range, euh... il est pas censé avoir As-10 off, il est, il est pas censé avoir... genre As-Valet tout non plus. Donc en fait, genre en fait, soit il chie sur le field et il colle un peu trop, du coup il peut se retrouver ici avec genre As qui Off, qu'il a pas envie de jam pré-flop, des mains comme ça. Mais En fait, sa value range elle est super fine, c'est genre euh, éventuellement genre paire de 6, tu vois, qui fait brelan, euh, et genre deux As. Et genre, euh, il descend un peu bas, bah, il peut avoir genre As qui Off qui veut pas jam pré-flop, mais qui veut jouer post-flop, tu vois. Mais il est pas censé genre As Valley Off en soi, c'est un pur fault. <laughs> je suis pas off, sûr qu'il ait perdu 3, dans sa range. Hein. Je suis même pas sûr qu'il ah, ait paire de 6 dans sa range hein. mais Du coup, en gros, sa value range elle est. Ultra fine, genre quand tu réfléchis ouais. à sa range, en fait, En fait je sais juste pas où me placer Parce que je, je l'ai pas joué Et du coup je sais pas si c'est un reg qui joue lose Qui chie sur le field et qui du coup va avoir as valley off, père de 6, euh, roi-dame Et tout le bordel, ou alors est-ce que c'est un mec Qui respecte juste les ranges théoriques sous ICM Et qui du coup bah en fait dans ce spot en value Il a que genre as valley suit euh, Deux As Et c'est à peu près tout tu vois euh, ouais. Et du coup il a tellement peu de value qu il, il lui suffit de un ou deux combos de bluff Pour que mon call soit good tu vois et, euh, ouais. et du coup, j'ai pas, 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 trouvé le fold. Ouais, et il euh, avait ouais. euh, perdasse. Il avait deux as. Ouais, euh, incroyable. Euh, ouais, ouais. Je pense, que euh, je pense que, Moi, j'aime bien le ride en tout cas. Euh... Ouais, ouais, je, je pense que c'est trop dur de folder avec. Est-ce que, que tu ne penses pas qu'il aurait payer beaucoup plus cher en bluff Il euh, faut savoir que j'ai craqué euh, là avec, avec ma main. J'ai craqué euh, quasiment 70 de ma time bank. Ouais. Euh, ouais. Donc ça ça, ça, tu vois, ça, ça te donne déjà une idée de à quel point il fait folder. Tu vois genre. J'ai tanké toute ma vie avant de call en tilt avec top pair. Donc, euh non, il n'a pas besoin de faire plus cher, je pense. Et si c'est un vraiment bon joueur, il se rend compte de ça et il sait que, tu vois, si je tank toute ma vie avec euh, AS3, tu peux être sûr qu'avec Roi Dame, enfin euh, avec euh, Roi Valet, par exemple, je pure fold, tu vois. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais. Genre Roi Valet, Roi -Valet je snap fold, euh, terme, tu vois. Euh, river. Ouais, moi j'ai l'impression que t'es Roi Valet ou AS3. Ici, c'est un peu la même chose, en vrai, tu vois. Euh, j'ai l'impression que tu vas qu'un bluff, t'as un bluff t as, t as un buff catcher, quoi. Ah, tu, ferais, tu préfères avoir AS3 que Roi Valet, parce qu'avec Roi Valet, tu vas bloquer Roi 10, Roi Dame, qui ouais. être le... ouais, ouais. main bluff, tu vois. Je préfère avoir As-3 en soi et c'est la raison pour laquelle j'ai aussi tu vois. Mmh. Ouais, ouais, je suis d'accord. En tout cas, ça peut paraître évident pour toi mais ton check back flop euh, te sauve peut-être pas mal de ton jeu. Euh, 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 oui oui, en vrai ça m'aurait ouais. euh. ah, Moi je pense qu'il aurait stoppé, ça. enfin il a, il, a, il a 20 blindes ça m'étonnerait je pense pas qu'il m'aurait check raise tu vois. Mmh. Euh, ouais, possible. Mmh. Ouais. Bon, bien joué à lui en tout cas. Roi-5 ça a du... F... T'as pas full Roi-5, t'as open. Non, non, non. Ok. <laughs> pris... Alors, Faut savoir, savoir qu'ici euh, je suis vraiment dans une optique de... Je vais prendre le lever. Mais genre vraiment, je vais prendre le lever là où il y en a. Et le... s'il y a un spot qui me rapporte de v je le prends. Parce okay. qu'en fait là, on est, à... on est à 50 left de, de 400K. Et que, bon, là, il faut savoir qu'il euh, y a le Bordelais en face de moi qui est du ouais, coup ouais. un top, 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 top reg. Ah, à ma gauche, loading, qui est aussi un top reg FR. Je peux pas dire son nom, mais euh, ouais, il est très connu. Et voilà, il est juste un peu dans l'ombre maintenant. Et euh, du coup là, je me dis, voilà, si... en fait, je peux pas me permettre... De donner de lever à des mecs comme ça, à Le Bordelais ou à Loading, qui sont des mecs qui sont excellents. Et si, si moi je fold ce 0-0 de 2V, bah en fait je leur, je leur offre une autoroute derrière. tu vois, ah et moi du tu coup, vois je me je... suis persuadé que sur les, sur les blindes en plus, tu vois, as des joueurs qui sont compétents derrière toi, ou potentiellement tu peux avoir pas mal de 3 bêtes, euh, même si dans ces positions. C'est un race fold, j'accepte. Ah, genre... C'est un race fold facile. Voilà. C'est un race fold facile et c'est pas grave. tu vois. Genre, et et j'étais vraiment pas dans l'optique de cut mes bottoms d'open parce qu'il y a des bons joueurs derrière ou parce qu'il y a des gros stacks j'étais vraiment dans le truc de ok c'est mon bottom bah raison de plus pour le prendre parce que ça me rapporte de l'argent donc je vais le prendre tu vois ah, et j'étais vraiment, vraiment en mode je vais pas le laisser respirer si j'ai un spot d'open, je le prends pour embarquer et j'étais même et à un moment tu vas à un moment, on m'a donné des blinds à un moment je me retrouve à 45 blindes. t'inquiète pas que j'ai pris des spots même plus euh, lourd mais... que prévu parce que bah j'étais en mode frère euh, là il a... en fait faut aussi prendre en compte qu'il y a des joueurs là bah, comme, comme le mec d'avant où j'ai foldé à 9 le mec il a habillé 6 il joue ouais. pour 400 000 euros, c'est-à-dire que là, le mec, il fait caca-culotte, tu vois, genre, ah, 400 000 sûr. euros, ça lui… Enfin, et même moi, enfin, pour, pour, pour tout le monde, 400 000 euros, ça te change ta vie, littéralement. Il ouais. y a des gens qui ne voient que ça, tu vois. Il y a des gens qui ne voient pas le, le palier à 30 left. ils ne voient que la gagne et ils se disent wow, « Waouh, si je peux gagner !» Donc, en fait, les mecs, ça devient des serrures et ils jouent plus rien, tu vois. Ouais, ouais. Donc, euh, donc, ouais, c'est vraiment important de prendre tous les spots d'open, quoi. Bon, en tout cas, tu as pris les blindes et bien ton pris c'est des blindes importantes, ça… Euh, 8 et 2, bon, on va pas pousser le vice. 6 et 9, tac, tac, tac. J'ai repris mes clics, hein, tu l'auras remarqué. Ouais. Euh, roi 2, tac, 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 tac. J'imagine ça, fold. On va enchaîner. Roi 3, ça a dû open. C'était opère, roi 5, euh, cutoff, C'était tout à l'heure, ouais. je crois. Euh, ou... Non, même pas, t'étais pas cutoff, t'étais euh, hijack. Euh, euh, du coup, ça a passé. Très bien. 8 et 5. Là, on va fold. 5 et 3. On va fold. Roi 10, on va fold. OK. Fold. Là, t'es vraiment dans ouais, tes bah 19 blinds, c'est ouais, 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 c'est le ouais. c'est archi... 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 bottom et euh, ouais du coup faut folder c'est Et là pour le coup euh... o... tu vois il y a aussi un truc de dynamique mais tu vois bah le fait que je prenne roi 5 saute ouais en fait faut savoir qu'il y a 15 minutes de délai et que du coup dans 15 minutes ils vont voir à quel point ils vont voir mes fréquences d'open ils vont voir ce que je joue tu vois et il euh, faut... faut prendre ça aussi en compte genre là le bordelais dans, dans 4 minutes il va il va voir que j'ai open roi 5 saute hijack tu vois -à dire ah ouais. il va dire OK bah, tu vois du coup faut prendre ça en compte et du coup bah là pour le coup genre typiquement enfin vraiment early early pause si t'as une main qui rapporte euh, genre pas d'argent tu vois genre rodisov ça rapporte pas tu vois, genre c'est ev0 je pense euh, du coup je vais la prendre tu vois si si tu vois tu, tu m'aurais donné genre as vas-y ça rapporte 03 je prends tu vois mm. mais, euh, mais du coup une main qui est ev0 je vais pas les prendre genre je vais prendre les mains, les mains qui sont ev001 01 si tu veux mais genre ev0 ou ou euh, ou même ev négatif tu vois je vais pas les prendre non plus parce que j'ai des joueurs compétents tu vois Ouais. Et j'ai pas, pas le sac. Si, si j'avais eu euh, 45 blindes, je l'aurais open tout le temps, tu vois. Parce que je peux me permettre d'open sur la blinde du mec que je couvre, etc. etc. Ah ouais, ouais. j'imagine que tu fais attention à, des, à tes fréquences d'open aussi. Euh, et tu vois, t'avais ouvert sais, un juste sais, avant, Ouais, que... je, voilà. J'essaie je juste ouais, de ne pas paraître pour un agro-monkey macaque. Et ouais. donc là, en soi, je sais que Roddy ici, 19 deep en deep run c'est EV0, bah je skip. Ouais, ouais. Alors que euh... le Roi 5 sous jack c'est vraiment EV. Quoi. Ok. Donc, euh, ici, ici euh, j'aurais pu ISO. Et en gros, euh, ah ouais j'ai les fréquences d'ISO qui sont assez élevées, j'ISO beaucoup de à chaîne. Et en gros je me suis dit euh, que j'allais pas ISO mes mains suitées, parce que bah genre... Euh, as pas, même si là tu as 2 et 7, en vrai tu as quand même une main suitée IP, t'as pas forcément envie de te faire jam. Enfin de te faire une euh, jam, ouais. euh, jam avec une main, main suite. Du coup j'ai dit check back et j'avais également aucune info sur lui à ce moment-là du tournoi. Okay. Donc j'avais pas non plus envie de prendre euh, euh, des trop grosses fréquences d'ISO. Bon bah, du coup j'ai un snapfold et... Ouais bah, bon ici il n'y a pas de. Pas de questions. On enchaîne, ça a du fold. As-9, ça va jouer, j'imagine. Jam, est-ce que tu veux en parler, si tu as range de jam au bouton dans ce spot-là Elle est, est assez pareil, wild, assez... en vrai. Ouais. Euh... En vrai euh... pareil, en fait, j'ai aucune info, donc c'est compliqué, parce que parfois, tu peux mal profiler tes adversaires, et c'est d'ailleurs ce qui coûte le plus d'argent, je pense, au poker, surtout en deep run, c'est de mal profiler tes adversaires. Euh, donc ici, tu as deux types de joueurs. Tu as ceux qui vont open leur range d'open 20 deep standard, et qui vont pas faire gaffe, qui sont euh, sous ICM ou machin, et qui vont dire Ok, bah là j'ai Dame 10 bah, c'est un pur open machin. Et, euh, et puis t'as ceux qui vont juste euh, voir le fait qu'ils sont à 30 lèvres de 400k et qui vont du coup être des putains de serrures. Euh, ce qui est sûr, c'est que versus open de cut-off, As 9 sout, même ouais, si je suis sûr. contre un joueur qui est tight et qui va open un peu plus serré, euh, j'extermine sa range d'open et c'est un pur, pur jam. Mais euh, peut-être que si tu m'avais donné euh, uh, As 8 off, tu vois, j'aurais peut-être juste skip, tu vois. Alors que sur le prime time, à 50 lèvres, j'aurais jam, tu vois. Ouais, bien sûr. Et le fait qu'il ouais. qu open sur un des chip leaders, ça, ça rentre en compte dans ta décision ou pas sur, le, sur sa range Pas à ce moment-là du tournoi, parce que je connais pas, j'ai pas d'infos. Ouais, ouais. Tu vois, moi le premier, j'open ma range, j'open chip sev parce que je trouve que ça print. Euh, Peut-être que lui, c'est un reg moyen qui considère et qui fait pareil. Tu vois. Donc euh, à ce moment-là, ça, ça rentre pas en compte parce que je pense que les mecs ils jouent juste leurs mains avant ouais. même de jouer la dynamique et la, la situation à table. Ouais, intéressant. Bon, du coup, il a fold et tu prends un petit pot de quatre blindes, je crois quasiment. Ça fait toujours plaisir. T'enchaînes plutôt pas mal à 3 Ah si c'est une c'est moi qui a un Bon, en vrai, il avait le combo parfait à 3 bêtes, mais c'est très drôle. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. En gros, je savais que c'était un reg à ma gauche. Ouais. Et je me suis dit je joue qu'une table. Bah c'est quoi, je vais prendre le temps de jouer. Donc déjà, je prenais des... je prenais tout le temps au moins 10 secondes avant de jouer et tout, j'ai vraiment pris le temps de réfléchir à chaque spot et Et je me dis mais tu sais quoi Ah ouais, c'est un reg, c'est un reg un peu aggro et tout. Imagine, je tank Open ma main il va se dire que je suis weak et que je suis bottom, et ça va induce un 3-bet, tu vois. Et du coup, j'ai tank, j'ai craqué genre une seconde de time bank, et j'ai open ma main. Et il m'a genre snap 3-bet, et du coup, j'étais trop heureux, genre. Bon, au final, il avait roi valeurs donc il avait une main parfaite à 3-bet, mais juste, ça m'a mis bien de pouvoir induce ça. Et est-ce que là, tu envie le euh, bon. cool de temps en temps, ici mm -hmm. Jamais Jamais, jamais avec à trois off. Ouais. Euh, même, en fait, euh, 20, en fait là, il y a... Y a il y a un tiers de mon stack au milieu il y a à peu près il y, y a quasiment 7 blinds au milieu j'ai donc c'est un tiers de mon stack j'ai as 3 off euh, à ce moment-là tout droit, ça vaut beaucoup 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 d'argent et t'as pas du tout envie de réaliser de enfin genre là le mec il a en moyenne il va avoir peut-être 30-40% d'équité contre as t'as pas du tout envie de le laisser frire un flop pas du tout tu vois. Ouais. et puis du coup tu vas devoir supporter une agression, etc enfin même avec As-Roi suit ici à ce moment-là c'est impensable genre vraiment As-Roi c'est impensable de call ouais. je pense juste que c'est un pure jam et good luck quoi. Ouais, complètement d'accord. On euh, va les 3, on va les 2, 7 et 5. On va dérouler au cas où. Tu vas pas défendre ça, non. 7 et 5. Ok. Tac-tac. Euh, je pense que c'est pas déconnant. C'est rien à dire. Rien à dire, j'imagine. Rien à dire. Euh, rien à dire. Ah, attends. Hop. Dame 5. J'imagine que tu vas ouais, prendre. Je... Oh, petit 3 bits de size. Ok. Intéressant. Voilà. Bon, je pense euh... que c'est un combo que, que tu peux prendre ici. Bah, à... Ouais, je vais avoir une range polar. Je vais ouais, 3 bits. As2, As3, Roi 2, Roi 4. Dame-5, Valet-6 off, et, euh, mm. et après des, des mains de value. Et du coup, Dame-5, c'est un bon combo à prendre, je fais folder tellement mieux. Bon, je me suis fait punir, il avait As-Valet off, il okay. a jam, et du coup, j'ai standard, ouais. OK, intéressant. On T'as pas un début de D3. en tout cas, pour l'instant, euh, ça roule pas sur des roulettes, Enfin c'est pas le truc qui est lancé… C'est pas, es pas... pas incroyable. Ouais, c'est pas incroyable. C'est pas fluide, quoi. Bon, ici, as un fold. Dame-9, ça va fold. Assets, on va open. Ça va défendre. Tu décides de bête un car. Bon, je pense je que c'est standard. En fait, board mono, enfin euh, board flush draw, as besoin de bête moins cher puisque tu targetes. En gros, bébé va avoir beaucoup beaucoup plus de backdoor que toi. Euh, puisque lui, il va avoir tous les suites, etc. Et du mmh. coup, euh, en gros, sur un board mono, genre si ça vient euh, Roi 4-2 Rainbow. Euh, oui, donc pas mono, sur un board Rainbow, pardon. Lui, genre, imagine, tu lui donnes, je sais pas, tu lui donnes euh, euh, 5 et 8 de pique sur Roi 4-2 avec le 2 de pique. Bah en fait, euh, si tu fais un quart, il a un call, tu vois, parce qu'il a backdoor quinte, euh, mmh. backdoor quinte, backdoor flush, deux over au 4. Euh, en revanche, là, sur euh, du coup, regardez, bah en fait, euh, 5 et 8 de pique, c'est un pure fold tu vois. Du coup, t as, t as, tu target moins de mains, du coup, tu as besoin de faire moins cher, du coup, bah, tu vas juste, c'est bête, un quart. Okay. Ouais, logique. Il, paraît, complètement coup. Euh, il a call, bien joué à lui. Euh, je me vois pas battre la turn, euh, je pense que si je prends ce combo-là, j'overbluff de mutant. Mmh. Euh, j'ai bats... enfin, suffisamment de showdown en fait pour check back pas euh, énormément de draws etc Et j'ai pas forcément besoin de les value enfin, genre, je vais pas 2 barrel ici pour aller value genre 5 et 6 de coeur tu vois euh, Donc euh, je vais juste, euh, juste check back Surtout que c'est catastrophique en fait si jamais euh... enfin, Bon déjà il est pas censé avoir 5 et 6 de coeur dans ce spot parce que j Il aurait checké ce flop mais admettons genre je sais pas, 6 et 7 par exemple de coeur euh, Imagine je le barrel et je me fais check jam Bah ouais c'est catastrophique parce qu'il est censé genre jouer en check call check jam quasiment tous ses draws euh, puisqu'il peut pas accomplir son équité euh, OOP euh, bref du coup je pense que à set off c'est juste un check back ouais, euh, je, je vois pas trop l'intermiser et pareil tu bon bah doublette doublet du roi c'est la pire en vrai si c'était venu une dame, un valet j'aurais été tenté de, de trans de temps en temps euh, pour aller faire folder un 4, un 2, une pp quasiment tout le temps euh, là sur doublette du roi du coup je fais plus rien fold je pense qu'il me snap call un 2 il me snap call une autre race parfois même hmm. donc je vais juste, juste give up ma main ici okay. et la verse 9 il a été meilleur. Ouais. je pense l'inverse. Les mains, c'est la même chose. Tac, tac, tac. Du coup, tu défends cette fois-ci. Set flop C'est bête small. Un visage de call ici Non, jamais. Jamais. Impossible. T'as bon. une, troisième paire sur un board mono et t'as aucune redraw, T'as pas de kicker. Genre, si j'avais eu à set off éventuellement, je call tout le temps, tu vois. Mais là, t'as bottom pair qui redraw pas. C'est juste un fold. Surtout, surtout quand t'as 14 blindes. Quoi. <laughs> Facile. Ah, bon, et la petite jam. Alors, alors, en gros, ici, il faut savoir que lui, c'est un récréatif et son sizing d'open, c'était 3x. Alors, il faisait tout le temps 3x, 3.5x. Son okay. sizing d'open standard, c'était 3x. Et du coup, là, il faut savoir que si il open de manière standard ce sizing-là, bah nous, on doit jam encore plus loose que la théorie. Pourquoi Parce que moi. du coup, on a un meilleur risque reward. Parce qu'en gros, oui. lui, il va race call exactement la même range. Mais du coup, il rajoute une blinde alors qu'il va call la même range, enfin euh, le même pourcentage de range. Ouais. Du coup, au final, nous, on doit jam plus loose puisqu'en fait, on, bah, on gagne plus d'argent en fait. Donc on est censé jam encore. Bref. Donc là, quand j'ai vu ça, je suis en mode of, off, Je jam pure Je suis tellement heureux. Il va, il va tout folder et je vais juste, euh, il va juste me donner 4 blindes quoi. Bah, il passe et tu prends les 4 et blindes. Du coup, d'ailleurs, c'est un petit ouais. truc que je t'ai pas posé comme question. Tu te rappelles des paliers sur lesquels t'étais en début de tournoi, ou pas Tu commences à de payer maintenant, truc comme ça 1200. Ouais, on devait, être, on devait être à 1800 de pay Donc, euh, il devait y avoir des. Là, on devait être sur des tu à genre 700 okay. euros, 1000 euros max, tu vois. Ah ouais, ok. Claire. Clear fold. Clear fold. J'imagine fold. Fold. F10. Ok. facile. Bon, là, pas grand-chose. Ça va fold. En gros, chose. attends, on revient sur le F10. Je peux expliquer. Ça peut choquer des gens. Je pense. En gros. Tu penses à Ouais, ça fait open du bordelais, évidemment que j'ai fort tout en cette main, c'est une main qui est une pure défense. Ouais. Euh, ici, on va, on va se retrouver trois way OOP, en sandwich entre deux joueurs. J'ai pas d'infos sur le joueur à droite, le bordelais est un top reg. Et euh, j'ai une main qui est archi dominée, en fait, si tu, si tu réfléchis à la range de call de watels les mains qui n'ont pas envie forcément de 3-bet et tout, ça va être beaucoup des. Euh, des ça, tu vois, genre si c'est un joueur un peu récréatif, il va avoir des rois dissout, dame -10 sous, valet -10 -sous, etc. Euh, des as-neuf-off, euh, as-neuf-sout, etc. Donc en fait, j'ai une main qui est ultra crush pas la range de SB sans compter la range d'open de, de cutoff évidemment et, euh, et je pense que j'ai juste pas assez de profondeur pour euh, pour défendre cette main et du coup bah juste fold me dérange pas ouais. Donc, bah, voilà. ouais, moi je suis assez d'accord euh, pour ce que ça vaut en tout cas ça va pas choquer en tout cas euh, ok ça si on avait passé on avait passé on avait passé As Valet bon j'ai jam commit ok et euh, une petite euh, petite question sur las Valet tu envisages de deux ici pour euh, pour news quand même ou pas T'as quand même une main qui est... Parce que j'ai passé un peu vite sur le 6.5, mais... J'ai plein, plein de mains qui vont open à 2x. J'ai plein... Genre, as 4 sout, je vais raise-fold. Donc, euh, voilà, deux As, 2 Rois, As-Roi, as, dame sout. Euh, paire de 9+, je vais 2x, euh, as 3 soot, euh, roi 10 sout, dame 10 Sout, c'est des mains que je vais raise-fold. Je euh, mais du coup, j'ai beaucoup de mains qui bénéficient aussi d'un jam directement. Euh, donc, genre bah, typiquement, paire de 7, paire de 8, roi mmh. valet sout, euh, As-Valet-off, euh, As-Dame-off. Sont juste contents de directement partir à tapis en fait et de prendre levé préflop. Voilà, ok. Donc, tu pas été payé dame 6, j'imagine ça va. Fold hop ou trois bêtes. J'aurais pu défendre dame 6 en vrai parce que c'était un joueur récréatif, mais ouais, contre lui là, tu te rappelles de ma Ouais, c'est un joueur récréatif. Ok, ici, roi neuf, ça fold. Moi, bon, J'aime bien le fold en vrai, hein. même contre un récréatif euh, ici euh, avec ta profondeur. Ouais, bah moi aussi, je pense. Bon, euh, là, c'est un peu le même, euh, même contexte que tout à l'heure. Du coup, dame meuf off, on est hard ouais, crush. Ouais. Fold. Ok, bon, t'y vas. Pas payé. Ah, tu cherches tes spots vraiment en début de tournoi là C'est dur. Hein ah, c'est dur. Hein. Bah là, là, on est à 35 left et je suis en mode, bon, bah c'est peut-être une fin de tournoi, c'est pas grave. <laughs> J'étais prêt à prendre mes 5000 euros et aller me coucher. Tu vois. Et tu te sentais encore bien ici mentalement T'étais dedans, t'étais étais focus bah moi je joue beaucoup le com donc je suis habitué à être 10-15 deep, c'est un peu ma routine. Donc ah en ouais. vrai, je suis à l'aise, je connais mes ranges et puis ouais bonne ouais. chance. Quoi. Ah ouais ouais. Tu sais qu'il faut gagner le, le prochain flip quoi. Tac-tac. Tac. Et Jam ici, tu veux ah. en parler ou pas euh, Ouais. Euh, on est contre un joueur récréatif. À ce moment-là, maintenant je le sais. On a 15 minutes de délai. Là j'ai vu. En gros tout à l'heure, euh, le bordelais à open. Il avait euh, As off euh, en SB. Il n'a pas 3 bêtes il a décidé de flat. Sur la main tu euh, 9 et 10 Non, il, a, il, non, il avait euh, quand j'avais 9 et 10, ouais, Il avait ouais. As-5-suit, pardon. Il avait As-5-suit, il a décidé de just call au lieu de, de 3 bêtes alors qu'il était SB contre cutoff. Ouais. Et à un autre moment, c'est Makazi qui open au hijack. Il est encore en SB, il a As-Valet off et il décide encore de call lieu, alors que c'est un pur 3-bet fall. Ouais. Du coup, à ce moment-là, je sais que c'est un joueur récréatif qui a peur de 3-bet, il a peur de mettre les chevaux au milieu. Et du coup, évidemment que c'est un joueur qui a quasiment aucun limp trap ici. Euh, ont, en fait, quand il limp ici il a peut-être euh, peut genre deux as qui va limp call et c'est à peu près tout quoi. Genre sinon il a que des limp fold ou alors il va jouer en open. Genre A3 off il va peut-être open ou jam directement. Bref. En gros ici quand il limp je... et que je jam, il va peut-être me call euh, allez euh, une fois sur 8 max. Du coup bon, en fait je peux jam euh, range quoi. En fait je print. Et euh, bon, j'aurais peut-être pas jam de et 8 off. Mais là du coup fallait 7 sous, j'ai une jouabilité d'enculé. Genre même quand je suis call par euh, un, un random, genre A5 off qui s'est perdu tu vois. Qui ouais. a décidé de Lincoln, bah je run good tu vois. Ouais, clairement. Mais, mais voilà. Là en gros je sais, je sais que c'est un joueur récréatif, j'ai vu les enfin j'ai vu les, les mains avec 15 minutes de délai. Et je sais que c'est un joueur qui va juste euh, Ouais, l'élément qui c'est que tu penses qu'il n'y a pas récors. assez de link trap dans sa range, quoi. Tout simplement. Jamais, jamais, jamais. Ouais. Genre, quand, quand tu regardes ce que les gens doivent avoir de trap. Euh... Ah ici c'est intéressant. Euh... J'ai beaucoup tanké. J'ai okay. beaucoup tanké avant de folder. Euh... C'est vraiment mon, mon archi bottom. J'ai estimé ne pas avoir assez d'FE. Il faut savoir que là on est 33 left. Ouais. et qu'il y a un palier à 30 de left. donc là il y a, on est à un joueur d'un palier c'est un palier à si je me rappelle bien c'est un palier à 1800 euros quand même on passe et de okay. on passe de genre euh, 2000 à 3008 un truc comme ça tu vois. sans les boutiques euh, et il a il a open très vite aussi de base il prend il prend un peu son temps pour jouer enfin c'est un très ouais. bon joueur qui prend son temps là il a <laughs> il a snap min raise et tout en vrai ça m'a un peu euh, ouais je sais pas ça m'a un peu fait peur et euh, je sais aussi que c'est un bon joueur qui du coup va bien call et, euh... mm. Et euh, ouais, 11 j'ai enfin 12 deep. j'ai estimé ne pas avoir assez feux. En vrai, c'est close, en vrai c'est close, j'ai même pas run le spot euh, après le tournoi. Mais euh, avec le palier et tout, je sais pas. En vrai, je saurais toujours pas te dire, je pense que le fold ne te fait pas perdre d'argent, et jam doit être euh, peut-être légèrement EV+, quand même. Mais euh, voilà, je l'ai pas pris. Euh... Je sais pas, je le... Tu te rappelles ce qu'il vraiment... avait sur le... Euh, sur le card zip ou pas il... il avait Roi-Dame à ce moment-là. Ouais, il est bon. Okay. mais euh, voilà, moi ça me choque pas en tout cas. Pareil ici, bon là, ouais. c'est bon, pire ici, je pense, mm. avec les pauses et tout. Hein. Euh, ouais. Ok, Asset, j'imagine que tu y es. Ouais, t'as trouvé ton et le... Oh. oh le petit flop, t'inquiète pas, <laughs> magnifique, magnifique, magnifique. Ah t'as quand même pas ouais, run, mais... sur, as run sur les dames quoi, quel tournoi... <laughs> qu début de tournoi mon gars oh, Ah, ah c'était horrible, là, vraiment Là au moment le où il moment... te call ouais, tu devais te dire mais tu... putain bah, euh... bah, bah, Je me suis dit mais waouh le day 3 de merde ah, quoi Ah ouais mais là c'est oh, 4 le... ans ouais là, là, là je me suis dit, ah, ouais, et, vois, genre vraiment, le moment où il call de dames. Par... Alors faut savoir qu'on rigolait beaucoup à table, on s'envoyait beaucoup d'emojis etc ah, On hein. se collait donc on s'envoyait beaucoup d'emojis Et euh... Et le moment où je vois il m'envoie un petit bisou en mode euh, je vais payer, t'es mort. Tu vois. <laughs> et là, et le moment où il colle, je vois deux dames et je me dis Ben bah, voilà, c'est le, le scénario catastrophique dont j'avais peur, mais ouais. ça fait partie du jeu. Et vraiment, presque mentalement, je me lève, tu vois, genre mentalement, je me suis levé de ma chaise et je suis parti, tu vois, en me disant Voilà, c'est pas grave, ça fait partie du jeu, tu vois. J'ai vu le flop, j'ai dit « Voilà, je te <laughs> baise !»« <laughs> Tiens, ton bisou <laughs> enculé Voilà, <bijou> voilà, <laughs> voilà Rattrape-le ton bisou <laughs> je, lui envoyé, je lui ai envoyé une manette de fric, je lui ai dit Tiens, attrape ça <laughs> <laughs> ah, c'est pas fini, mon grand, c'est pas fini. <laughs> il est quand même à 7% au flop. Hein. Mais c'est vrai, vrai que là, jusque-là, je me suis dit, waouh, le début de dé, il est, il est bizarre. Tu vois. Ouais. Et à, euh, à partir de là, là c'est là que ça a changé la dynamique ou pas Bah ouais, là, ouais. Je, okay, là j'ai 30 blindes, c'est parti, je peux rejouer mon feu. poker, Bamos", tu vois Faut savoir ouais. que là, la moyenne, elle est assez basse, les gens, les gens bustent assez rapidement, euh, assez euh, lentement, pardon. Donc là, la moyenne, elle doit être à genre 26, 27 blindes. Moi ah, je ouais. suis à 24, je suis, je suis bien. à à la dredge, quoi. Et puis, même tu regardes les stacks 16 à ta table, tout à l'heure, Ramon il est autour de 60 blindes, le bordelais de' ma pareil. Ramon, au tout début du dé, la première fois quand j'ai déjà masse 9 contre lui, là, on était à peu près à 50 left. Là, on est à 31 left. là. Donc il y a eu 20 éliminés entre temps. Très intéressant. Attends, j'ai passé un peu de temps. Je me rappelle, j'ai défendu. Ah bah si, attends, je me rappelle de cette main. Je pense que la défense elle est ok. La défense est ok. Il a décidé de check back. Et euh, alors, turn, turn, uh, turn en turn, vrai, tu turn ouais. ouais Turn, j'ai au Mais encore une fois, euh, lui, il a une range. Ouais, enfin, il joue bien, mais du coup, ça range, elle est capé En gros, s'il avait eu euh, euh, Dame Valet, Valet 10, 9 et 10, euh, Valet, euh, tu vois, genre Valet 9, en fait, il aurait ses bêtes auto. Ouais. Tu sais que là, quand il check back, en fait, sa range, elle est elle, en fait, elle est super strong. Enfin, super strong dans le sens, elle est capée, mais elle est super strong. C'est-à-dire que sa range, en gros, c'est les low-roi X, c'est paire de 7, 8 paire de 7 plus. C'est... Voilà, en fait c'est ça. Il a la paire de 7 ⁇ et un low roi X. Et parfois même peut-être à As2 qui a le droit de checker votre temps, tu vois. Bref. Ouais, un petit as 6 utile aussi, tu vois. As2 à 3, des trucs comme ça. Voilà. Et du coup, ici, j'ai estimé que j'avais aucun intérêt à miser, puisqu'en fait, il avait 0% de fold. Genre 0%. jamais. Et du coup, si c'était venu le 6 de trèfle, j'aurais tout le temps, genre tout le temps bête. Parce que là, du coup, j'ai gutshot flush draw, et là, je vais genre 2 barrels tout le temps. Je dis en fait si là je probe sur le 6 de pique en fait j'overbluff contre une range qui va très très peu folder et mmh. du coup il juste faut, en fait, faut juste se rendre compte de sa range et de à quel point tu fais rien fold en fait terme donc euh, en fait si je bête Tern, je suis obligé de bet la river en bluff et du coup je me dis bah en fait euh, non je vais pas bet ça quoi mais est-ce que tu aurais pu check euh... raise ici s'il avait bet genre il bet un quart là ou un tiers est-ce que tu envisages de check raise ici ou pas non. non là il bet un quart je fold ok euh, et, et du bon, coup bah... ouais. <laughs> t'inquiète pas <laughs> tu lui vrai. envoyais un bisou à ce et... moment là hein j'ai rien en vrai à ce moment-là. Là, <laughs> j'ai beaucoup réfléchi. D'ailleurs, euh, au final, je regrette mon sizing. Euh, donc, là, évidemment, on va value. J'essaye de faire mi pot Et en vrai, je regrette. Euh, en gros, ici, ça range, elle est capée. Et en fait, moi, j'ai tous les bluffs du monde qui veulent juste. Genre, en gros, là, imagine je me retrouve dans ce spot avec genre 8 et 10 off. Mais je suis tellement heureux de faire folder, genre paire de 7, paire de 8, paire de 9. Ouais, bah, ouais. De faire fold. Voilà. En fait, j'ai tellement de mains à faire folder. Euh, quand je me retrouve avec une hauteur genre 10 ici. Genre si, si je fais si je fais 6 blindes et qu'il fold 100% du temps, paire de 7, paire de 8, paire de 9, et qui commence à call que à partir de genre paire de valets plus, genre paire de valets, paire de dames, et genre un roi, bah en fait j'accomplis énormément. Tu vois genre en fait si on regarde le, le ratio, en fait c'est mon bluff est rentable, tu vois. Et, et je pense ici que en fait, ma value ici ça va être euh, ça va être genre 2 paires, quinte et tous les bluffs du monde. Et en vrai, euh, en vrai je suis même pas sûr de valoir un roi. Genre, enfin, en vrai si tu me donnes genre euh, roi 10 off, euh, en vrai si, mais tu vois, mais je pense que j'overbette pas en fait. Mais du coup quand j'overbette, en gros je me polar entre deux paires, quinte, et, tout et toutes mes, toutes mes trachènes, tu vois, qui ont miss. Et t'aurais fait combien du coup aurais, euh, aurais et, fait... et du coup je pense, pense que le meilleur sizing, surtout contre le bordelais qui va bien call, bien se level, bien machin, bah, en fait je pense que le meilleur sizing c'est overbet ici. Je pense qu'il faut faire genre 6 blindes. Ouais. Tu, tu fais snap call un roi, tu fais snap call deux dames, tu fais snap call deux valets, tu le mets dans un spot compliqué avec 2 8, deux 9, deux 10, et voilà, si tu, si, si tu, fais, déjà fold, si tu fais déjà fold tout le temps, genre, genre 6 et 7, 6 et 8, euh, un random, genre tu vois, genre même s'il si, si fold, si il snap fold genre dame 5 sous tu vois, genre dame 5 sous s'il snap fold, c'est magnifique. Ouais. C'est magnifique. Ouais, hyper intéressant. Donc, euh, mmh. donc je pense que la meilleure line c'est overbet ici. Euh, voilà, c'est tout. J'en ai, des, des, des ai parlé avec des gens de mon groupe de travail et euh, en fait c'est vrai qu'il a une range qui est vachement capée et qui va, en fait, bah... En fait, qui va, là quand je fais mi-pot, il fold rien, tu vois. Ouais. Quand je fais trois quarts, il commence peut-être à folder quelques trucs. Quand je pote il va folder ses bottoms. Du coup quand j'overbet, là je le mets vraiment dans un spot où là il a une décision et là il... Mais c'est la décision qui va me rapporter le plus d'argent, tu vois. Ouais, bien sûr. Parce que genre, même, même, si là, même si là je suis en pure value, tu vois, quand je fais 6 et qu'il fold paire de huit, c'est pas grave genre je perds pas d'argent tu vois j'en gagne quand même mmh. donc euh, donc euh, je pense que la merline, c'est overbet ouais, ouais j'aime bien j'aime bien bon ici t'as décidé de limp euh... décidé de limp euh, pff, en vrai on peut skip euh, surtout que je suis contre un reg euh, il me couvre il... il est bien aggro, il se défend bien je pense que fold preflop euh, ouais. est good et ici en fait faut savoir que maintenant de nos jours tout le monde stable bbb tout le monde fait une blind tout le monde se voilà mais du coup tout le monde se défend une blinde les, tout le monde sait se défendre les gens même ils raise ils click back ils... Ouais. voilà les, maintenant les gens savent plus ou moins se battre au flop bvb avant ce n'était pas le cas avant il y a, y, a, y a deux ans tu limpais tu mettais une blinde au flop tu gagnais tu gagnais genre 3 tu gagnais genre, euh, genre 10 bb100 par rapport à ce que la range de fold euh, par rapport à ce que les mecs foldaient genre c'était il y, y avait aucun move qui te rapportait plus d'argent que celui là c'était ridicule en termes de risque reward etc maintenant c'est bon le, le poker a évolué les gens savent se défendre du coup moi j'ai développé une strat où je vais beaucoup jouer aussi en delay check-raise Pas enfin, en delay euh, overbet okay. En gros je vais check, eh ben, déjà aussi savoir que du coup BVB théoriquement c'est bien d'avoir une range de check protect Genre ici si t'as si as genre As-3 As-3 c'est un pur check euh, oui, Si t'as genre euh, 8 et 9 c'est un pur check -stra. Bref, les gens ont tendance à trop miser au flop euh, Ah j'ai une paire BVB, lui il a tout et n'importe quoi du coup je mise Mais en fait l'important c'est qu'il faut que tu sois capable de check back ton 8, de check ton 8 Parce que sinon quand tu check tu te retrouves qu'avec hauteur As et des trash bah en fait t'es mort tu donc c'est important de bien se défendre BvB Et du coup je sais que, enfin moi ici quand je check J'ai une range qui est ultra protect J'ai genre, euh, genre dame valley qui va, tu vois, qui va genre check raise J'ai des 8, des 3, j'ai même genre 10 et 2 soot Qui va tout le temps genre check call etc Et du coup j'ai décidé de check parce que je m'attends à ce que ça check back Suffisamment du temps Enfin suffisamment souvent Pour que je puisse dealer ma main Parce qu'en gros là ici sur un, sur un 5, sur un 6 sur un 9, sur un valet, j'ai un pur overbet avec mon combo. Genre, c'est trop, tu vois, genre avec le 7, c'est genre trop, trop facile. En fait, à la turn, j'ai tellement, tellement de cartes qui vont, euh, vont m'offrir de l'équité avec 4 et 7 sur ce board. Que du coup, j'étais déjà parti dans l'optique de, de jouer en, en delay overbet. Et là, quand il mise une blinde, je me suis dit, bon, j'ai 28 bébés, on est à 30 left, je peux pas call ici, je peux pas me permettre de call. Ouais. Donc, ma seule option, c'est de check raise. Je me suis dit, en vrai. Je suis contre un reg. Il va bien se défendre. Est-ce que j'ai réellement envie d'aller chercher un check raise avec 4 reset off ici J'ai décidé que ça n'en valait pas la peine. Et du coup, j'ai foldé, je suis passé au spot suivant. Déjà, surtout que ma main déjà pré-flop est un, est un fold fréquenté, voire à haute fréquence. Ouais. J'ai décidé de ne pas partir dans, dans ce move là Surtout que, bon, ce joueur à ma gauche, Bah moi à ce moment-là, je ne sais pas exactement qui c'est. Je sais juste que c'est un bon reg. Mais lui, il sait très bien qui je suis. Et ouais. par la suite, bon bref, voilà. Genre, il sait très bien qui je suis. Genre euh, voilà, on a travaillé ensemble, etc. Et du coup, bon <laughs> bah euh, voilà, j'ai. Je... Voilà. Donc, ah, je pense que j'aime bien fait... le fold pré-flop, moi. Je ouais, pas... je pense aussi qu'il fallait fold. Mais intéressant en tout cas, tout ce que tu dis derrière. Euh, As2, c'est un open facile, j'imagine. Tac, 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 on va fold. On enchaîne 8 et 9. As3. Ok. Petit iso ici contre le joueur euh, récréatif, contre qui tu. Enfin, que tu est estimes récréatif à ce moment-là. Euh, ouais. Qui va te call cette fois-ci? T'avais Jump sur ah. l'ordi blind contre lui, il C'est vraiment euh... intéressante. 10-10. Euh... Ouais. 3. Euh, J'estime avoir un CMR range. Euh, J'ai même pas run le spot d'ailleurs. J'en je run... sais rien en vrai, ouais, mais je pense que sur 10-10. 3, de toute façon, de, de manière générale, sur board ISO, euh, je, vais avoir, euh, je vais avoir du CMR range. J'ai, euh, je pense, un peu plus de 10x que lui dans ma range d'ISO, euh, puisque je vais commencer à ISO call à partir de. Euh, je le couvre en KO. Sûrement Roi 10 Sout, euh, As 10 Off, euh, et je vais avoir toutes les trashs. Je vais ISO 10 et 3, 10 et 2, 10 et 4, ouais. euh, off. Euh, et lui va, va Lincoln euh, bah, 10 et 8 off, plus genre 10 et 8, 10 et 9, 10, euh, ben 9, de, ben 10 et 8, euh, 10 et 9 off, Val 10 off, et euh, Dan 10 off. Quoi. Et le reste, je pense qu'il va jouer en Libri-Raise. Ouais, c'est cool. Euh... Après, il faudrait encore qu'il ait les bonnes ranges de, de Lincoln ici. Euh. Ouais, moi j'ai oublié les Soutes d'ailleurs, il a aussi les Soutes. Mais... Ouais. et du coup j'ai décidé de se mettre range euh, je me fais clic ouais. à ce moment là je suis vraiment pas content j'ai très peur c'est un joueur récréatif euh, il me vraiment il, il m'a clic 2 x quoi genre il a, il a il a cliqué sur il a cliqué sur la molette il a fait clic tu vois donc là ça me fait peur parce que je me dis bon en vrai c'est vraiment le move du récréatif qui a pas envie de te faire peur mais qui a quand même un 10 et qui veut value tu vois mais euh, j'ai as 3 <laughs> j'ai as 3 j'ai j'ai 1,8 à mettre dans un pot qui va faire 11 blindes Genre, je peux juste pas folder, tu vois. Je suis en position avec deux over, euh, backdoor count et euh, bah, c'est juste un foldable. Quoi. Genre, il me donne les codes de call directement, et euh, ni tout. Quasiment ni tout, quoi. Donc, on va call. Turn triplette du 10. En vrai, elle est super rassurante. D'ailleurs, euh, dans un pot qui fait 15 blindes, j'ai dit 11, mais 15. Euh, la turn, elle est super rassurante parce que, du coup, maintenant, il lui reste. Enfin, bah, il a carré de 10, quoi. Mais ça, voilà, il, il a beaucoup, 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 beaucoup moins de value. Euh, donc là, en gros, son top de range, ça va être bah, les quelques carrés de 10 qui lui reste Et un 3. Genre typiquement, As3, euh, As3, euh, As -3, euh, 3 et 5 suites, 3 et 4 suites, euh, Roi, suit, enfin, euh, Roi 3 suites, pardon. Enfin, en gros, les 3 X sout qui ont juste envie de, de lim call pré -flop. Euh, Parce qu'il faut savoir qu'ici, je pense qu'il a aucune pp. Hein, genre, paire de 2, paire de 3, paire de 4, paire de 5, paire de 6. Enfin, c'est des mains qui vont lim jam. Donc en gros ici ses meilleures mains c'est bah, bien joué à lui genre 10 off, qui fait carré de 10 et, euh, et genre euh, Roi 3 sous tu vois Mais du coup ici euh, il décide de check et en vrai c'est super intéressant parce que je pense que dans ce spot avec un 3 il va 2 barrel en value protect Et avec un 10 aussi genre en fait Enfin avec un 10 il a pas besoin de protection Mais en gros il va value Il va value la range la même range qui value flop va valoir va, va value turn. en gros euh, je vais peut-être continuer à coller des Haute races je vais colle toutes mes euh, toutes mes paires euh, je vais colle des mains qui redraw, etc enfin au flop à la turn du coup comme c'est le 10 de trèfle j'ai bah ça vient turn badugi donc j'ai plus trop de backdoor flush et, euh, et je pense qu'en fait avec un 3 il est tellement heureux de deux barrels pour justement aller deny euh, Haute races roi dame enfin, en fait tous mes floats flop il est tellement heureux d'aller deny cette équité là euh, du coup quand il check en vrai il lui reste quasiment que quelques carrés de 10 voilà il lui reste que genre Allez, on va dire 5 6 combos de carré de 10, tu vois. Mais il a jamais de 3 et il a pas de PP. Du coup, sa range turn, c'est genre give up et parfois carré de 10 s'il si bête pas la turn. Donc en fait, il a en fait, il a rien, tu vois. Donc par contre, j'ai aucun intérêt à miser parce que moi j'ai pas besoin d'aller chercher de, de la deny Equity et je sais que disons que ici, je pense que 70 du temps, j'ai gagné, tu vois. Peut-être même plus, 80 du temps, je suis devant. Et j'ai pas besoin d'aller deny, genre imagine il a je sais pas, imagine la, genre dame valley off, je m'en fous d'aller deny dame valley off, c'est mmh. pas j'ai pas un bête pour ça, j'ai pas de value non plus. Carrément. river Roy. Tu te sens rassuré là river ou pas Je <laughs> euh, suis pas rassuré parce que j'ai toujours peur du carré à 10. Mais, mais, monsieur check. Monsieur check. Et on repart au point initial, c'est un joueur récréatif. Et le joueur récréatif, sa plus grande peur, c'est de miss value. Il a peur. Parce que là, il se dit j'ai carré à 10, mais imagine le mec check back. Mon dieu, je peux pas value. Donc, ici dans ce spot, sachant que c'est un joueur récréatif, pour moi, il a plus de 3. Il a plus qu'à arrêter 10 non plus. C'est fini. Voilà. Parce qu'il aurait Bet River. En fait, il a juste tellement peur que je check back. Alors qu'en soi, si tu réfléchis, le roi, c'est une excellente carte pour moi, que je vais très souvent miser. Et du coup, si c'était un joueur compétent, Bah, je pense que la majorité du temps, j'aurais peut-être check back ce roi. Euh, ou value, genre, un quart, pas plus. Et genre, j'aurais foldé sur check raise. Mais là, comme c'est un joueur récréatif, pour moi, il n'a plus qu'à arrêter 10. Et du coup, j'ai juste un pur value bet. Et je prie, mais vraiment, je prie pour qu'il colle, genre, hauteur d'âme. Hauteur euh, As, euh, peut-être un 3x qu'il a joué comme ça, même si pour moi j'y crois pas. Mais en gros, là, en gros, je sais qu'il a rien. Ouais, roll, compliqué. Hein. Pour moi, il a rien. Et du coup, il faut réfléchir à un sizing qui peut faire call une dinguerie. Genre, quel sizing peut potentiellement faire call hauteur Dame, hauteur As Bah, un quart. Ouais, et ouais. Du coup, j'ai juste fait un quart et j'ai prié pour qu'il colle. Euh... Ah, j'ai fait un tir. Un tir. Ouais. Un tir, c'est too much, je pense. Il... Alors, il faut savoir qu'il a tanké quand même. Ouais. Mais il l'a fait. Il, il, il attend que mais il l'a fait. Il a call, euh, il a call au terrasse. As 2 incroyable. Il a, il a, a cliqué au flop. Ouais, ah ouais. Je, je sais. Bref, j'ai vu sa main et là j'étais vraiment en mode. <laughs> merci. Que... Alors déjà, déjà merci, mais surtout qu'est-ce que je viens de voir et qu'est-ce qui s'est passé, tu vois En mode, le... alors que en vrai, As 2 off, en vrai il peut, en vrai il peut lim -call, mais il peut limjam jam estime que jizo assez bien. Euh... Limp call est pas dérangeant, mais le click flop n'a. Aucun intérêt. Aucun, aucun, aucun. Et River, le roi, c'est genre la meilleure carte pour ma reine. La meilleure. Et genre, du coup, c'est catastrophique d'aller call au terrasse ici. Et je pense que si j'avais fait un quart, bah c'est peut-être OK de call au terrasse. Mais genre, sur un tiers, en vrai, c'est catastrophique. intéressant, en tout cas, cette mort Je n'aurais pas dit au début. En vrai, elle était marrante à jouer. Je m'attendais vraiment pas à me faire call par ça. Mais tu vois, comme je t'ai dit, dans mon raisonnement, au final, j'ai fini par faire un tiers, tu vois, une game. Et ça prouve à quel point je suis même pas... Enfin, tu vois, là, là, à froid, je suis pas d'accord avec ce que j'ai fait euh, in-game. Ouais. Parce que, tu vois, là, comme je te dis, pour moi, il a, il a jamais carré de 10. Il a plus de 3, parce qu'un 3 aurait 2 barres turn. Du coup, pour moi, il arrive river avec rien. Pour moi, il n'a il plus rien river. Ouais, voilà, Comme je value rien, enfin, je value Hauteur à bah, un tiers, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop cher. Et je pense que je dois jamais dépasser euh, les 1 quart. Du coup, ouais. euh, bon, au final, c'est vrai que au final, moi, j'aurais eu du mal à le mettre sur Autoras. Je pensais vraiment que tu, tu click back avec une main qui a vraiment zéro, quoi. genre euh, 8 et 9 off ou un truc comme ça. Euh. Bah, c'est ce qu'il faut faire. Autoras, ouais. c'est jamais un click back. Genre, si tu veux click back dans ce spot, oui, tu le fais avec genre, Valet 9, euh, Dame Valet, euh, Valet 8. Des mains qui se rapprochent du 10x et qui ont des redraw quoi. Tu ouais. vas jamais prendre un AS2 perdu. Tu vois. En tout cas, tu passes à 42 blindes dans ce... grâce à ce coup. Ouais, là on est on est à 20, on est à, on doit être à 28 left et là, là ça commence à être sympa. Est-ce que t'as fait euh... la, la danse des carreaux avant le, le début du D 3 J'ai pas fait les la danse des carreaux mais c'est vrai que les carreaux ils m'ont <laughs> mis bien. Euh, ici <laughs> euh, sur board mono tu as beaucoup de checks. Maintenant on est BBB contre any et j'ai flush au 5 Il faut savoir qu'on est contre un reg, il va snap call any pair, il snap call any... genre ok je lui donne genre je lui donne genre dame 10 off je pense qu'il colle au moins une fois. Ce genre Dandisov sans carreau, il colle peut-être une fois parce qu'il a hauteur d'âme, il bat déjà beaucoup, une tonnasse de mes bluffs, et il peut partir du principe que je vais c-bet range. Du coup, pour la même raison que j'ai une image perçue de joueurs très agressif, et que du coup les gens me respectent pas, enfin genre pour beaucoup de joueurs, je suis quelqu'un qui bluffe beaucoup, qui est très mmh. agro, etc. Et du coup, c'est super important d'être capable de mettre des values directement dans les gros sizes, dans le euh, et de ne pas avoir peur de te genre. Il y a des moments où je suis en value et River j'overbet off trois fois le pot tu vois. Et je me fais call parce que les mecs se disent Ah mais il y a que des bluffs dans ce size, machin, c'est que ring, machin. Et euh, ben là c'est un peu pareil, du coup, en vrai, en vrai Flush Water 5, je suis quand même content de value protect. Euh, il fold jamais un 2, un 7, un roi, il a tous les carreaux, genre il fold, genre... Là s'il a, s'il a genre euh, s'il a 10 et 6 off avec le 6 de carreau, et que je bet flop, il snap call. Hmm. Donc euh, j'ai quand, quand même pas mal de value à prendre. Donc j'ai décidé de bet au flop. Et il a foldé. Fold. Voilà. Voilà. Et t'as envisagé le check raise ou pas un peu dans la Dina tout à l'heure, c'est un peu ce qui s'était passé. Tu sais, Tavely, Côté, Katoff. Ouais, 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 ouais. Euh, non, je l'ai pas envisagé. Mais là, quand tu m'en, quand tu m'en parles à, à froid, euh, pourquoi pas En vrai, pourquoi ouais. pas Mais euh, in game, je t'avoue que j'ai pas du tout eu cette réflexion là. Mais oui, en vrai, pourquoi pas Checkraise. Ouais. -moi, Moi, je pense qu'il a beaucoup de air ici. Tu vois, je pense que de un il a, deux il a sept il un le problème... de R. Ouais. Mais, va... Mais du coup, il va beaucoup check back. Si... Enfin... Moi, je pense qu'il va check back ses 2, ses 7, mais c'est possible qu'il ait envie un de miser, bon je règle. sais pas, 10 et 6 off euh, sans carreau, tu vois. Il avait peut-être envie de prendre le pot, euh, il te met une blinde et ça fait un peu plus d'argent. Bah, en, en, en vrai, c'est euh, du coup, un joueur compétent, enfin, par défaut, les mecs en SB, OOP, genre là, on, en fait, il sait que le fil, de manière générale, overbluff. Ouais. Ça veut dire, si moi, dans ce, en fait, il va partir du principe que si moi, dans ce spot, j'ai genre 10 et 8 off 100 carreau, il va partir du principe que je vais bet range. Ouais. Du coup, quand je check, en fait, je me retrouve avec une range qui est beaucoup plus strong et j'ai beaucoup, 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 beaucoup moins de check fold que, que ce qu'on pourrait croire, en fait. Genre, je vais ouais. jamais, ici, je vais jamais check fold valer 6 de pique, tu vois. Je vais toujours bête, en fait. Parce que, en fait, toutes les mains qui ne peuvent pas assumer un bête vont très souvent miser, tu vois. Ouais, j'aime Sur le bord Mono, en tout cas. Après, s'il a et vu euh, le live, il t'a fait, fait ça avec cette euh... off tout à l'heure, tu vois. Oui, c'est vrai, c'est S'il a vu le live, bon, après, c'est... Il l'a vu, il l'a vu, forcément. Ouais. Mais du coup, à ce moment-là, ouais... Euh... Je pense qu'il sait que quand je check j'ai dit ouais, ouais, mais... qui est plus strong que ce que, que l'on peut penser. Ouais. Voilà voilà. Intéressant. Rockatsuche pour G open, ouais. Ouais, bien sûr. Tac. As4. Ah bah voilà, on en, on en parlait, tu vois. Donc là, là c'est le moment où voilà. Là j'ai à peu près 40 blindes. Je couvre toute la table. Et là je me suis dit bon frérot, je ne vais... C'est même, même pas que je vais pas rater un spot. C'est que je vais prendre plus de spots que ce que je devrais. Tu ouais, vois. Parce que là, j'étais en mode, ok. Là c'est mon moment. C'est time to shine. On est à 28 left, je vais faire un tout droit avec mes 40 blindes. <laughs> Donc là, évidemment, off, j'ai un bloqueur, je couvre toute la table. Bonne chance. <laughs> Buona, buena suerte à todos. Là, j'ai hésité. Hein. Ouais, bah, j'ai je je mentir. Hein. <laughs> 5 et 8 soutes, là, je te jure que j'ai hésité. <laughs> <laughs> mais euh, la table n'avait pas l'air euh, non plus hyper, euh, hyper aggro. Je sais pas ce que j'ai vu là sur les mains. Euh... Non, non, bah, What récréa, Makassi récréa, Ramon Recrea, En fait, j'ai juste Loading et le Bordelais qui sont mmh. des top regs qui vont vraiment me péter les couilles. Mais à part ça, oui, au final, du coup, euh, si tu prends les bons spots d'open, t'es bien quoi. un 30 left de, de 404, t'es content d'avoir cette table en hein, vrai ouais. J'étais relativement content. Il y avait une plus belle table, mais elle était déjà bien. Ouais. C'était fort. Euh, roi 5 off, j'ai pas abusé. Père de 6, évidemment, on open. On se fait jam, j'ai snap-fold évidemment, snap, genre j'ai pas pris une seule seconde de time-bank contre lui Et ouais, euh, que... il avait deux As évidemment voilà. okay. Il avait vraiment deux As, et voilà. genre j'ai je... vraiment eu aucun doute ouais, de euh, Il a pas feux. je suis pas fan du jam as set-off Après je pense qu'il cruche la range. Enfin, f... En vrai faut run, faudrait run le spot mais... Euh... Il a pas feux quoi, en... en fait il va se faire call par toute la range d'open euh... Ah mais est-ce que t'es pas content d'être cool par des euh, par des 6 et 8 tu vois Si si. si ah ouais, yes mais, que... mais sans fe euh, c'est ouais en fait, je crois que ce mec-là il bosse sur un palier en fait et c'est peut-être pour ça que ça m'a. Ok. Alors cette manche je l'ai super mal joué voilà euh, c'est parti essayé de bet flop euh, déjà j'aime pas du tout mon bet flop non non ouais. donc j'ai limpé bon, faut savoir, Dame set off c'est un open à fréquence genre 35% du temps en gros toutes les, euh, tous les tous les de limpé. Fold, enfin non, enfin pardon, tous les les meilleures mains, non du coup attends, oui les meilleures mains qui vont limp fold, genre en gros Dame set off, si je limp et que je me fais iso je fold, donc, voilà donc les meilleures mains qui vont limp -fold sont à fréquence des open. donc là typiquement Dame set off c'est mon bottom, genre si je me fais iso je fold, du coup 35 40 du temps je peux open cette main, bref j'ai décidé de limper moi cette fois donc du coup de d'opter pour un limp -fold. Et je sais pas pour quelle raison je me suis dit ouais il a pas assez d'A6, machin, bidieux, je value, des... J'ai décidé de bet au flop, c'est nul à chier. Genre vraiment, je vous le dis, c'est nul à chier ce bet. Euh, évidemment qu'il a des A6, il a genre uh, As4 off, As3 off, As2 off, As5 off, As6 off, qui va juste check back pour garder des a dans sa range et qui, qui ont pas envie d'isofold, genre As7 off, etc. Il a Dame Valet euh, il a... S'il a pas envie, de, a pas envie call, alors par exemple Roi dame off dans ce spot, tu peux ISO call, genre tu peux ISO 3,5, tu te fais jam, tu calls tu vois. Donc s'il a pas envie de call pareil, il peut encore avoir Roi-Dame il peut avoir Dame-10, enfin bref. Il est beaucoup plus strong que ce que l'on pose parce qu'il a check back. Et du coup j'ai pas du tout un bet, sur... j'ai un pur check ici. J'ai décidé de bet, c'est nul à chier. Voilà, je vous le dis. Euh, donc euh, j'ai bet, il a call. Turn, brick. Euh, bon bah check, hein, il serait temps de commencer à checker. Il check back. River, encore une blanque. Et là j'ai décidé de check. Parce que là du coup, là, là, dans, du coup dans cette line, j'estime que je suis dans mon top de range. En gros, euh, genre je pense que j'ai quasiment aucun A6 qui va betflop into check check. Euh, du coup là mon top de range c'est bah, roi dame, dame enfin en fait une dame quoi. Par contre lui il a le droit d'avoir hauteur valet, genre il a le droit d'avoir valet 8, valet 9 qui peut genre float flop, euh, check back turn et bluffer river. Il a le droit d'avoir une hauteur roi qui veut transfo pour faire folder un 10. Il a le droit d'avoir euh, un genre les trèfles qui n'ont qui pas envie de bet. Euh, il a, et en fait il a une tonne de backdoor. genre s'il a genre... Euh, 7 et, 8, 7 et 8 de carreau, 8 et 9 de carreau, il va pure call flop sur une bébé et il va pouvoir transfo à la river. Et du coup, dans cette line, j'ai estimé que j'étais beaucoup trop haut pour folder. Voilà. Il avait quoi A6. Il avait un, ballet. Ballet. Wow. Enfin, un bon you bet quand même. Euh, bah, il a pas mieux, je pense. Lui. Ouais. En fait, tous ses A6 vont bet turn quasiment. Ouais, J'aime bien et, le size. Euh, et, donc, en, en gros, ça. La seule main meilleure que celle-ci qu'il a dans sa range, c'est peut-être Roi Dame -off, Tu vois, voilà, c'est la mm. seule. Donc, euh, j'adore son size. Enfin, c'est, il a, il a grid value, mais enfin, même, fin, il a même pas grid value en vrai. Quand tu réfléchis à ma range, j'ai tellement de calls et tout. Enfin bref, moi, j'adore sa line, j'adore son. Ouais, son size. Mais après, euh, je pense que tout ce qu'elle a dit est vrai aussi. Je pense qu'il a, il a plein de transfo aussi. Euh, si c'est un joueur euh, compétent. Ah oui, non euh, mais moi, je, ouais. ah oui, je me voyais, je me voyais pas folder, mais on en revient au point initial. Juste, j'ai grave mal joué la main et je dois jamais bet flop, quoi, Voilà. C'est le flop, quoi. Ouais. Ouais, le flop où j'ai vraiment genre juste choc, quoi. Ah, je suis d'accord. Euh, voilà. Ok, c'était deux, on va passer. Roi-Valet. Alors, ici, mmh. j'ai probablement l'un des meilleurs combos à 4-bet choc. Euh... Pourquoi je ne l'ai pas pris euh... Je saurais même Dina, pas. Dina, peut-être, les... des fois, la Dina, le... Dina. Dina, feeling et tout. Euh... Euh... Et en plus, là où je m'en veux, c'est que quand tu regardes la table, ça fait 17 blindes derrière, 23 blindes derrière. Et même si c'est des joueurs plus ou moins récréatifs, il y a aussi le Bordelais. Le Bordelais avec 40 blindes qui nous couvrent tous les deux. Euh, ah, attends, je sais pas si, attends, reviens en arrière, je ne sais pas s'il si couvre loading. Euh, non, reviens en arrière. Euh... Les mains présentes Ouais, non, non, une main avant, du coup. Enfin après, ouais. Non, ok, il est, okay le, le loading couvre le Bordelais. Mais bref, le Bordelais va très bien squeeze. Ramon et Makazi ont des spots de, de squeeze jam super faciles. Et loading est un reg. Par conséquent, deux as de roi, il va le mettre dans le, dans le flat quasiment tout le temps. Euh, il, ça me choquerait pas qu'il mette as roi saut aussi. Euh, et du coup, quand il trois bet ici, bah en fait, euh, il a jamais deux as, il a probablement presque jamais de Rois. Et du coup, euh, en fait, euh, je suis encore plus heureux de jam parce que je run quasiment jamais dans notre Enfin, genre, je suis, entre guillemets, jamais drawing dead dans le sens où, genre, bon, quand je rend... En partant du principe que quand je run dans deux As, je suis drawing dead, euh, bah en fait, je suis quasiment. Voilà, toujours une, genre, si je run dans As-Roi, j'ai 30%, je run dans as dame j'ai 40%, je suis en légende. tu vois. Et, euh, et du coup, je, je pense que le jam est beaucoup, beaucoup plus profitable que le call. Euh, surtout vu la situation de la table. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai opté pour un call. Je ne je, je saurais pas te l'expliquer. À froid, pas, tu vois, je n'aime pas. Je préfère jam tous les jours. Ouais, moi mais... J'aime bien ce que tu dis, en tout cas. Et Effectivement, je suis d'accord avec toi sur la, sur la Dina de la table. Euh, mmh. qu'il a assez peu à roi ici et ton, on a un combo premium. Après, je pense que c'est pas non plus dégueulasse le call, tu vois. C'est pas horrible. En il fait, euh... un... faut savoir que je vais avoir 1,5 PSB. En gros, je vais me retrouver dans un spot avec 1,5 PSB. Euh, en gros, quand il sait bet flop euh, et que turn ça m'avantage, enfin, que ça vient une turn qui m'avantage pas, bah en fait j'ai un check call check fold. Euh, peux, en fait, du coup, je vais, vais quasiment jamais réaliser mon équité pleinement parce que je vais quasiment jamais voir une river. Mmh. En fait, il va, jamais, il va jamais deux barrels non in quasiment. Et du coup, pas ouf, tu vois. Ouais, ouais. ouais. Euh, et je pense que tu vois, je t'ai toujours dit que ce qui est le cas. Je pense, enfin, consciemment, tu passes carte money machin. J'ai pas peur de mettre les choses au milieu et tout. Mais tu vois, ça, ça, à froid, quand je regarde cet HH, j'ai vraiment l'impression de voir un mec qui a pas envie de mettre les choses au milieu, tu vois. Ouais, ouais. ouais. Genre, là, ah, tu peut-être le coup tu perdu, c'est tu sais, juste avant aussi. Hein. Moi, je pense que ça, inconsciemment, des fois, tu t'en rends pas compte, mais le tu vois le dead set. Bah, le, parce que t'inquiète pas que le moment où je bête flop à la turn, je me dis putain mais, quel... mais je suis vraiment ouais, un ça, ouais. genre, donc genre à, là à ce moment-là, je sais déjà que je viens de mal jouer et je viens de perdre genre six blindes parce que j'ai mal joué tu vois, je le sais déjà tu vois. Et on est trois mains euh, après c'est vraiment euh, c'est ah, c'est vrai. Quoi. Mais le, le fait de pas jam flop c'est déjà un premier truc et surtout au flop, donc là on est quand même sur le flop le plus magistral qui soit. J'ai ah, ouais. open ended une over backdoor flush, genre tu peux pas faire meilleur board. Il décide de bet un quart. Et en ah vrai ouais, c'est vraiment le sizing un peu chiant parce que check jam, j'ai l'impression que c'est un peu bourrin. Euh... Check raise size, un... enfin, en gros il faut que je clique à 7 quoi. Je... Je ouais. à ah ouais, j en vrai j'en ai, hein. j'en ai si tu réfléchis. Mais du coup, en fait je clique à 7, il jam, bah je dois call, tu vois. Euh... S'il avait fait un tiers, mais en fait il n'y a pas d'un tiers, théoriquement il n'y en a pas ici. Euh... Mais effectivement, si... si ça avait été un joueur récréatif qu'il avait fait genre un tiers, genre quatre blindes et demi. Je pense que là, j'aurais pu jam et je, je l'aurais pris. Là, le fait qu'il qu fasse un quart, en fait, ça m'a juste. Ça m'a fait poser des questions ah, est-ce que j'ai vraiment envie de check jam C'est 21 blindes. Mmh. Euh, en fait, ça me paraissait trop bourrin de jam. Ah, je comprends. Et, et je pense que je n'ai pas envisagé de click. Je ne me voyais pas click à 7, me faire jam et call, tu vois, et dire allez, je run dans A3, bonne chance, tu vois. Du coup, j'ai juste call. Juste call en disant bah, je vais réaliser mon équité et tout. C'est évidemment la pire turn. C'est une blanque totale. C'est le set de trèfle. Ouais. Et donc là, je me dis bon. C'est pas grave, il me reste 18 blindes, il va 2 barrels all-in, je vais folder et c'est pas grave, je continue mon tournoi. Mais non, il check back. Check back du beat. Ça vient le 3 de trèfle. Euh... ok envisagé de lead la turn Comment euh, T'aurais envisagé de lead la turn Sur cette turn-là Ouais. Jamais Enfin, euh. avec quel combo non, te... non mais là, avec quel ah, combo... Ah, ah, jamais jamais. Là vraiment c'est juste check-fold et bonne chance. Euh, si j'avais eu roi valet trèfle, j'aurais encore check, il aurait bet et j'aurais où il aurait jam et j'aurais call et bonne chance. Euh, là vraiment avec, là c'est juste check fold. Et là du coup la river, sa range elle est pas aussi capée que ce que l'on pourrait croire. Il arrive avec as valet trèfle, as roi trèfle qui ont pas forcément envie de se faire deux barrels. Mm -hmm. Enfin euh, en vrai c'est pas vrai, c'est pas, pas vrai, Il a pas as roi as valet trèfle, mais il a genre as cinq de trèfle qui a pas envie de se faire deux barrels. Enfin qui a pas genre qui a pas envie de deux barrels au line par exemple. Euh... Du coup il arrive avec quelques combos de flush, il en a pas une tonne, genre il a pas As-Roi, il n'a pas As-Valet-Trèfle parce qu'en vrai ça, ça jam turn et il me dit bonne chance. Mais genre typiquement un, 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 un 5 de trèfle, euh, une main comme, une main comme euh, 8 et 9 de trèfle, des mains comme ça, euh, qui n'ont pas forcément envie de se faire euh, jam. Euh... Et euh, il a euh, deux Valets, il a As-10, il a des low-dames, je, je pense que genre Dame-Valet-Roi-Dame peuvent être des check-turns. Euh, j'ai pas rerun le spot non plus donc j'ai pas... J'ai pas j'ai de wizard sous les yeux, je suis en train de te dire sa range près comme je le sens. Mais du coup in-game en gros euh, en fait il a plein d'autocalls. Genre euh, si je lui donne paire de valets, il, je, je pense que si je fais genre un tiers, euh, même si je fais, même si je jam, je pense que deux valets, euh, avec deux valets avec un trèfle, il va tank, 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 call et euh, il va me dire bonne chance tu vois. Euh, As -10 ne fold jamais, puisque 10 va unblock mes main bluff, etc. Donc euh, il va pure call. Euh, si, si jamais il a gardé genre dame valet, roi dame dans sa range, il va pure call. Euh, il peut se retrouver du coup River avec quelques combos de backdoor flush. Et du coup, j'ai estimé que le jam n'était pas assez profitable. En gros, euh, que je jam ou que je fasse un tiers, j'accomplis plus ou moins la même chose, je pense. Euh, et que déjà, si je fais genre un quart, un tiers, si je lui donne paire de 8, paire de 9, bah, paire de 8 en vrai. Je me demande s'il va 3bet call paire de 8 préflop Je pense que oui mais bon On va lui mettre paire de 8 à fréquence Mais même déjà si je lui donne paire de 9 euh, Paire de Valet euh, As Roi As Valet genre As Valet tu vois As Roi, As Valet sans trèfle Qui va pure check back turn par exemple tu vois euh, As 5 En fait il, a, il, il, il se retrouve avec des As 8 suites, Des As 2 suit, des. En fait il a tellement tellement d'autres races euh, Qui sont déjà dans un spot super compliqué euh, Des paires de 9, des paires de valets qui sont en PLS Et en gros j'ai estimé que enfin, Jam accompli la même chose. Genre, en fait, que je fasse tapis ou un quart, bah en fait, son A3 il est en PLS, tu vois. Du coup, j'ai pas voulu jam, j'ai opté pour faire un quart pot, je crois. Euh, ouais, j'ai un quart. En me disant que du coup, bah j'accomplissais déjà la même chose. Et que, bah, toutes les fois où je me faisais snap call par as 10 bah il y avait pas mort d'homme, il me restait 15 blindes et je savais jouer au poker et c'était pas fini, mmh. tu vois. Euh, de fold, tu je te, dis te dis rappelles la main qu'il avait ou pas Ouais, il avait A7 de carreau. As-7 de carreau, intéressant. Du coup, en vrai, et... si je fais fold, il, 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 a, il a pas mis longtemps à folder. Hein. Il a pas ouais, mis très longtemps à folder. Donc en vrai, possible. il a dû mettre genre 10 secondes à folder. Donc en vrai, s'il fold aussi vite que ça, paire de 7, enfin euh, à 7, enfin hein, à 7x, je pense que du coup, bah, en plus à 7 off, en vrai, enfin à 7 du coup, quand tu réfléchis, c'est avec As-10. Bon, il a déjà As-10 et quelques dames, mais c'est un très bon combo à hero call en vrai parce que bah, il un bloc mais main bluff. En fait, il va une bloc, euh, bah, typiquement mes rois valet euh, les Valets 9 suit. Des, des, random, euh, des random pp qui vont transfo, tu vois. Et euh, en vrai, j'ai pas de pp, c'est pas vrai. J'ai pas de pp, je vais les jam préflop ou les faire. Euh, beaucoup, ouais. Euh, ouais. <coughs> mais, euh, mais du coup, en vrai, euh, s'il se défend déjà avec. Euh, s'il se défend que avec ses dames et ses 10, bah en vrai, euh, j'ai pas besoin de faire tapis, quoi. Je fais juste un quart et j'accomplis déjà énormément, tu vois. Ouais. Moi, je réfléchis chez flop. Euh, T'as quoi en value qui va check raise ici En value qui va check raise Ouais. Euh, euh, je pense que deux 4 je fold preflop tout le temps. Euh, je, roi Dame, I guess. Roi Dame, je m'envoie en, en l'air. Hein. Roi Dame, ouais. Roi Dame, ça va être mon, ça va être ma, bah, En fait, j'ai pas As Dame. As Dame, c'est un pur jam Du coup, genre, j'ai. Ouais. En fait, pour si je dois me défendre avec mes Dames, j'ai genre Dame Valet Sout et Roi Dame. Euh, du coup, je pense que bah, Dame Valet Sout et Roi Dame, on est peut-être prêt à check raise et go. On est content de Dinah As Valet. On est content de Dinah As -roi, On est content de de, 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 de target genre de valets et, et compagnie. Des As 10 aussi. Euh, donc en value, je pense que j'ai Roi Dame, euh, Dame 10, -dame, dame Valet. Tu veux check raise euh... tapis, Dame 10 ici Non, click du coup. Mais du coup, voilà. En fait, du coup, je pense que check jam, c'est un peu trop bourrin. Du coup, je dois avoir une range de check click ouais, et, ouais. ouais. et click fold, click go broke, genre voilà, Dame 10. Mais En fait, tu vois, Damdi, je suis trop haut, je ne bloque tout. Donc, Damdi, je vais jouer en check call, tu vois. Ouais. Du coup, j'ai Dame Valet, Dame Roi Dame, qui vont être des clics à 7. Et quand ouais. il jam, je go. Quand il call, bah, j'avise turn, etc. Tu vois. Et pareil avec Roi Valet Southe, du coup. Roi Valet Southe, typiquement, je vais cliquer à 7, 7,5. Quand il fait tapis, bah, je suis commit. Et quand il call, bah, je vais jam turn any turn. Et je vais target déjà des As Valet, As Roi, qui Qu me battent turn. Ouais bah j'ai euh... ça et je trouve que clip moi c'est le... peut-être l'option qui m'aurait le plus plu ici. Non mais moi de toute façon, bon déjà ouais. hormis le fait que toute cette main, toute cette main devrait pas exister parce que je devrais jam pré-flop, mais en dehors de ça, effectivement, au flop, une fois que j'arrive au flop, je pense que là... Enfin, là en fait, entre guillemets, j'ai eu la chance d'avoir le board rêvé, tu vois. Et genre, je peux pas me permettre de check call ça parce que bah, tu vois, comme tu l'as vu, turn ça vient de 7 de trèfle, j'ai un check fold et en vrai c'est... Enfin, c'est horrible de devoir check fold ça, tu vois. Et tu euh, penses que s'il touche coup, pas le 7 euh... euh, turn, il jam non, je pense que si, si turn ça vient le 8 de trèfle, je pense qu'il check back uh, give up. Ah ouais, oh. ouais, ouais. Je pense. Moi, je trouvé hyper intéressant que... cette main. Effectivement, il y a plein de trucs. où Bah, tu peux envisager elle est super intéressante. Mais... Bah, a... bah, moi, je te dis cette main, j'aurais pu la jouer de plein d'autres manières différentes, et surtout, enfin, je... je trouve que les mal joué tu vois. Bah, le seul move que j'ai bien fait, c'est river. Effectivement, ouais. euh, j'ai pas besoin de jam, un quart, ça suffit. Je fais déjà foldé as roi, as valet, compagnie. C'est le voilà, c'est la seule, c'est la seule partie de la line que j'ai bien jouée. Mais en vrai, je, me, je, je préfère me voir jam, pré-flop ou alors check, click, flop, etc. Ouais. Bref. Il y a tellement d'autres manières de jouer cette main, mais euh, voilà. Ah, pas intéressante en tout cas. Bon, ici j'imagine. Euh... Okay. J'ai décidé de 3 bêtes. C'est un bon combo de 3 bêtes. Euh, bluff, hein, je, je vais bloquer. Euh... Je fais folder mieux, je bloque des bonnes mains. C'est ouais, good ouais. quoi. Euh, il a tanké toute size. sa vie avant de folder. Il avait, euh, il avait As 3 suited. Je pense qu'il a tanké toute sa vie. Il avait très <laughs> envie de me jam la tête. <laughs> Il a foldé. En tout cas, vous envoyez yeah. des petits bisous. Euh, euh, ouais. Tout à avec Loading. Ok. Bon, là, il n'y a pas de suspense. <coughs> On va open ici. Ça va être défendu. Tu décides de check back ce combo avec tes backdoors, j'imagine. Ouais. Pas envie de te faire checker ici. Euh, tu touches là. Est-ce que tu envisages de check back ici ou de miser Je pense que check back est abusé. J'ai une range. Enfin. J'ai une énorme partie de ma range qui bénéficie d'un bet en bluff. Euh, ouais. euh, des, val des valets 10, des, des, roi des rois valets, rois 10, rois 9, etc. Enfin, j'ai une trop grosse partie de ma range qui a envie de, de bet ici pour faire folder des 7, des 6, etc. Et, euh, et je pense qu'avec un as ici, euh, je pense que Anya Six a envie de miser. C'est mon bottom. Je pense que de temps en temps, on pourrait le check back. Mais en vrai, ici, dans, dans cette lane, je me suis juste dit, frère, là, j'ai top pair. Ouais. Et en fait, je value tellement de mains. Genre, je value tous les. Genre des, des, des 9 et 10, des 7x, des toutes ces dames, euh, les 6x qui redraw, genre tu vois, genre un 6x de carreau, etc. Enfin, j'ai estimé avoir tellement de value et en fait je suis tellement heureux aussi de pas avoir de carreaux Flush droit, carreau qui s'ouvre à la turn, je ne bloque les carreaux. Euh, et en vrai, globalement, je bloque plus ou moins les cœurs, Enfin, genre, je l'as de cœur, mais on s'en fout un peu. Euh, et donc, du coup, j'estime avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de value quand même contre sa range. Ouais. Euh, du coup, j'ai dit les potes, ce que je ferai avec toute ma range en bluff ou en value. Et euh, je me fais check race. Et euh, C'est hyper intéressant parce qu'il m'a own in game. In game, je, je lui trouvais aucun bluff. J'étais en mode waouh, il, il a tout le temps d'âme 6, il m'a baisé, mais vas-y, bref. J'étais un peu en mode énervé en mode putain, mais Poupé, il me sait ici, si, il a que de la value. Euh, il m'a own, enfin il m'a pas own parce qu'on regarde. En fait, j'ai réfléchi, je me dis, mais même là, tu me donnes As-Roi, mais je fold en fait, machin, il a que de la value, bref. Donc j'ai foldé euh, parce que je, je lui trouvais pas assez de bluff et je disais, mais enfin, c'est catastrophique, tu vois, genre il y a. Y a il n'y a aucun bluff qui a envie de faire un tir stack ici euh... enfin, genre quand il a quand, quand il a flush draw etc enfin, bref et en fait j'ai visualisé le spot à l'envers et quand tu réfléchis pleinement on est contre un reg un top reg mmh. et moi j'ai une range qui est ultra polar. c'est à dire que turn turn j'ai tous les bluffs du monde et toutes les values j'ai as roi j'ai as valet j'ai as 10 mais comme je t'ai dit, j'ai un, un random un random 10 qui va commencer à dealer turn genre avec les carreaux. J'ai genre, genre, genre 5 et 6 de carreaux qui peut commencer à bet la turn, etc. Qui va commencer à transfo pour target des 7, des dames. J'ai des Rois-X, etc. Enfin, en fait, j'ai beaucoup, 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 beaucoup de bluffs naturels tu vois, qui ont envie de commencer à bet la turn. Un random Valet-9 de carreaux qui ne va pas bet flop, etc. Et du coup, en fait, lui n'a aucun intérêt à check-raise. Pourquoi parce que Enfin, en value, du coup. Parce que quand j'ai valet 9 de carreau, mais je bête pot, bah vas-y, toi, t'as dame 6, t'as envie de call, et t'as envie que je te débarrelle ta, ta bouche, tu vois. T'as qu'une envie, c'est que je débarrelle l'overbet, la, la river, et toi, tu calls, tu vois, et tu prints contre tous mes bluffs, tu vois. Et du coup, j'ai vu mais en fait, ici, quand t'as brelant 6, quand t'as 7 et 6, quand t'as dame 7, est-ce que t'as réellement envie de check checker, sachant que j'ai quand même beaucoup, 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 beaucoup de bluffs, tu vois. Et. Lui, ça rép, ça rép relativement strong, ça, ça line, tu vois. Et du coup, si tu commences déjà à faire peur à des mains comme AS5, je te dis, moi, là, tu, tu, si j'avais eu genre AS9, tu vois, typiquement AS9-Off, j'aurais snap-fold aussi, tu vois. Parce qu'AS9-Off, mmh. on va dire que je, je vais bloquer 9 et 10, je vais bloquer 9 et 8, c'est catastrophique, tu vois. Euh, genre AS9, AS10, je pense que je fold direct, tu vois. Du coup, si tu fais snap-fold des mains comme AS10, est-ce que tu as vraiment envie de check raise d'Am6, sachant qu'en fait, tu vas Value... Enfin, tu vas valuer genre As-Roi, as valet euh, déjà difficilement, tu vois. En fait, genre, tu prends pas beaucoup de value parce que ta line est terrifiante, tu vois. Et du coup, je pense qu'il en a conscience. Du coup, je pense que dans cette line, il n'a que des bluffs, tu vois. Et je pourrais lui demander d'ailleurs. Mais je pense qu'il a que des bluffs et ça marche très très bien contre le film. En exploit quoi euh, En pur exploit, tu vois. Ouais. Et, euh, et ça a marché puisqu'il m'a fait folder top pair. Et il avait 9 et 2 de cœur, tu vois. Donc il m'a vraiment, genre, il m'a pris et il m'a retourné, genre, je suis sa petite chienne, tu vois. Il m'a vraiment baisé, tu vois. <laughs> et, et quand en fait, le moment 15 minutes plus tard, j'ai vu sa main, et là du coup, j'ai commencé à réfléchir. Je dis mais non, mais évidemment, en fait, évidemment qu'il a que des bluffs. Parce que je vois à ce roi, je suis en PLS, à ce roi, je suis là en mode ah, oh mon dieu, tu vois. Donc, si tu fais peur à ce roi, évidemment que tu prends pas cette ligne là en value. Et, euh, et du coup, bah, bah, si je me retrouve dans ce même spot demain, bah, en fait, je rirais aux et je lui dis bonne chance, tu vois, avec ses 25% d'équité, tu vois. Est-ce que tu aurais pas envie de le call justement euh, pff, Si, en vrai, je peux call, mais là avec un 5, euh, en vrai. Euh... En vrai, le problème, c'est qu'il va, il, il va, va pas jam que sur les cœurs River. Tu vois genre, là, il a 9 et 2 de cœur, mais si ça vient un 10, il jam. Euh, si ça vient un 5, il jam. Ah, si ça vient ça. un carreau, il jam. Ça... Ouais, bref, mais oui, mais du coup, si ça vient un 5 et qu'il jam, bah, je suis en PLS River. tu vois. Parce que du coup, il, y a, il a 8 et 9 qui est rentré. Si ça vient un 10, il a 8 et 9 qui est rentré. Si ça vient un 9, il a 8 et 5. Enfin, genre, en gros. Il y a beaucoup beaucoup de cartes finalement qui vont avantager sa range euh, de bluff. Et du coup, s'il jam, s'il jam any card, ce f... en fait, c'est ce qu'il va faire, tu vois. S'il jam toutes les cartes qui avantagent sa range, en fait, je me fais baiser. Je peux pas me permettre de call pour encore call la river parce qu'en fait, genre, il euh, y a trop de cartes qui me mettent dans la sauce, tu vois. Euh, moi, je pense qu'avec ton analyse et je suis assez d'accord avec ce que tu dis, euh, je pense que je suis parti pour call et tu vois, et, et call any, any river là-dessus, si t'es sûr qu'il est oh, en ouais, genre, air, euh... non, ça, ça ça vient ça vient ça vient ça vient le 5 de pique et tu pries pour pour qu'il est genre euh, bah, là, 9 et 2 de cœur et qu'il n'ait pas genre 8 et 9 quoi. Ouais. ouais. En fait, il a trop euh, de bluff ouais. à dispo, comme tu dis ici, S'il est en il est en pur air, ce qui est pareil logique. Pour moi ici quand tu calls turn, tu calls tout euh, tu tout derrière quoi. Et quand tu jammes, ouais. pour moi, tu accomplis pas grand chose parce que du coup, tu fais fall tous ces tous ces airs et t'es payé que par mieux quoi. Ah mais en vrai gros quand tu dis euh... Tu dis son quand équité dénailles... mais Quand tu dis l'équité de 8 et 9 ou genre de genre euh... Genre, hein, quand tu denies quand tu genre oui. 6 et 5 de carreau, t'es pas mal, hein, t'es content. 6 et 5 de carreau En vrai, il a pas tant d'équité que ça, hein, tu vois, contre ta main. As, bah, ta, bah, ta, bah oui, ta... parce que, non, mais, en, en, en gros, quand j'ai un As, mais oui, mais du coup, en gros, s'il si part du principe que moi je suis capable de re-raise all-in, euh, bluff, bah ouais. en gros, 6 et 5 de carreau, il est un peu plus. c'est ce que tu dis, c'est que ta il a, line a, a, les... il, a une paire, il a une paire qui bat des bluffs, plus qu'il re draw si jamais il run dans un As-X, tu vois. Ah Mais je pense qu'ici, pour moi, il s'attend jamais à ce que tu aies des re en... en bluff ici. En Comme bluff. tu l'as dit très bien, tu vois, sa... sa line, elle est tellement strong et elle paraît tellement strong. Ouais. Que, du coup, il va s'attendre à ce que tu sois en pure value et il sait à peu près contre quoi il fait. Enfin, ce qu'il face, en fait. Moi voilà. bon, je pense qu'il faut de toute façon avec son effet de. Mais. Euh... Oui, très bah intéressant. Oui, il a 19% d'ictés. Ouais. Il a bien joué de sa part, en tout cas. Mais euh, ouais, il m'a bien, bien own. Bah, les 7. Bon. J'ai jam directement à 2 Ouais, je pense qu'il va l'air. Ok, okay tu d'open ici, est-ce que tu veux en parler euh, Bah les, les high-low suited, c'est des mains qui se comportent bien dans l'open, genre, genre 10-3, etc. C'est des mains qui vont être quasiment pris en, dans le pure open. Genre, si tu regardes les ranges théoriques euh, d'open, bvb genre 30 deep, tu vas avoir en fait... Bah, t'as une range qui est... Euh, en fait, c'est une question de board coverage, et du coup, d'avoir de l'équité sur quasiment any board. Euh, bah, du coup bah genre, typiquement des mains comme 10 et 3 suit, bah, 4 et 9 sous etc sont des mains qui peuvent être prises dans l'open euh, size du coup ouais bah, voilà, mais j'aime bien ton adaptation euh, même si tu étais parti au début du day pour avoir une range de, de limp euh, complète contre lui tu vois ce qui peut arriver contre certains legs ouais. euh, la dina en fait à chaque fois il t'a jamais iso quoi tu à chaque ça, fois que tu as limp il a jamais iso aussi et pareil là bah pareil tu, du coup toujours dans la dina jusqu'à présent je n'ai fait que limp bbv que ouais, donc ça, là c'est ouais. la première main que j'open et du coup j'estime aussi que je vais être un petit peu plus respecté parce que c'est la première main que j'open et que du coup ouais. il peut se dire Ah, il a tout le temps que As-Roi, as valet machin, bref. Ouais, et puis donc, c si t'avais une Premium ici, t'aurais en pas envie de la limp. Si t'avais une Premium ici, tu vas jamais la limp trap parce que du coup, vu qu'il a, a Check Back, As-Roi. En à vrai, si, si quand même. Je sais quand même que c'est un règle donc en vrai, si j'ai quand même paire d'As, paire de Roi, As-Roi et tout, je vais quand même ouais, limp Mais, mais, euh, mais j'ai le droit d'avoir as valet Sout qui a juste envie d'open, J'ai le droit d'avoir Roi euh, dame J'ai le droit d'avoir Père de 8 qui a pas envie de limp tu vois, bref. J'ai le droit d'avoir des mains d'open euh, et du coup, comme j'ai fait que jusque-là, bah, je pense que ça peut me respecter mmh. un peu plus. Tu vois. Ouais, moi, j'aime bien. J'aime bien en tout cas l'adaptation dans la Dina et tout. Et ce que tu dis, je suis d'accord. Pour le board coverage. Euh, Père 8, on en parlait. Open, c'est call cool, par le bord de l'Est défendu. Ici, je pense que tu as un pur, euh, pur C-Bet. Ouais. Doublette du casse, décide de lead, assez standard. Qu'est-ce que tu euh, fais ici je j'ai pas run les sims sous icm donc j'en sais rien là on doit être à 25 left quelque chose comme ça peut-être enfin, peut-être toujours 28 en vrai peut-être ça, ça baisse lentement à ce moment là mais on est à une vingtaine de joueurs restants quoi entre 20 et 30 euh, donc je sais pas comment ça se comporte sous icm mais je sais que en vrai euh, le field a tendance à beaucoup trop euh, donk bet small en pensant que ah oui euh, ça avantage ma range et je peux donk bet small en fait si tu regardes sur j'étais wizard etc tu as le droit de donk bet big tu vois et genre là typiquement sur ce board sachant que moi je vais essayer bet range etc moi j'arrive avec toute ma range de cut-off, Je vais mettre range, donc j'arrive avec 100% de ma range à la turn, alors que lui il a une range beaucoup 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 plus strong. Euh, et euh, du coup sur du du 4 ça avantage massivement sa range et du coup il a tout à fait le droit d'avoir du donc bet cher. Mais sachant qu'on est en deep run sous ICM, etc et que du coup il a en fait en faisant un tiers il accomplit déjà énormément. C'est à dire que si moi dans, là là si, si tu me donnes genre roi valet off sans cœur bah j'ai un pur fold turn. Tu vois. Donc ouais, en fait ça. il accomplit déjà énormément et du coup il a pas forcément besoin de bet cher. Euh... Voilà. Euh... Du coup, bah, moi j'ai un pur call. Enfin, c'est chiant d'avoir ah, paire de 8 parce que je fais bloquer 8 et 7. Euh, des... genre, quelques combos de, de bluff naturel chez lui, genre des 8 et 10, euh, valet 8, etc. Euh, maintenant, euh, c'est juste infoldable étant donné qu'il a encore euh, 5 et 6, euh, euh, 6 et 7. Euh, tout, ce qui est les... bah, tout ce qui est genre euh, valet 10 avec un cœur, etc. Enfin bref, il a encore suffisamment de bluff pour que je ne folde pas. Et River, il fait 10% pour. Euh, je pense que c'est un sizing qui marche euh, très très bien contre le field Parce que euh, le field n'y verra soit que de l'indius, Genre typiquement un breland 4 qui a envie d'induce un bluff Soit une sin value, genre en gros il a un 9 Et il a envie de se faire payer par hauteur as Et du coup le field ici, bah ils vont, ils vont genre pure fold hauteur dame, hauteur valet, hauteur 10 euh, hauteur, Parfois même... On va dire peut-être 30-35% d'autres races. Et du coup, bah en fait, quand t'es en bluff à sa place, bah en fait t'as le bluff le plus rentable de l'histoire, parce que tu mises 1,4BB pour faire folder genre euh, 35-40% de la range. Et en fait, contre ce sizing-là, si tu regardes euh, par rapport au MDF, donc en gros le... Tes fréquences de défense, bah contre 10% pot en fait, tu dois interpréter ça presque comme un check. Donc mmh. en fait, tu dois, pro... tu dois call proche de range, genre any two. Donc évidemment moi ici j'ai perdu 8, je sais que je bats des bluffs, je vais jamais, jamais folder de ma vie. Et j'ai je... hésité à raise parfois pour... Genre j'ai réfléchi, je me dis est-ce que je peux pas raise pour pas folder un 9, etc. Et en fait j'estime que ici, bah s'il bête 10% pour avec un 9, il va jamais le bet fold Du coup, la seule chose que je puisse faire ici c'est juste payer et prier pour qu'il ait un bluff, tu vois. Euh, mais ce qui est sûr c'est que je peux pas folder tu vois. Mais euh... Donc en fait son sizing, je l'aime bien contre le field. Mais je l'aime pas contre moi. Parce que je pense qu'il... Bah, enfin, je sais pas, je pense. Il sait que je suis un reg. Et du coup, il sait que je vais bien, dé... je vais bien me défendre. Enfin, en termes de MDF, je vais tout call. Tu vois, genre ici, genre, si j'ai genre Dame-Valet avec un cœur, je call. Tu vois. Genre, là, hauteur Dame, je call, tu vois. Mmh. Je commence peut-être à réfléchir à partir de hauteur Valet. Mais c'est tout, tu vois. Euh, et du coup, son siding, je pense qu'il peut quand même faire un tiers pour là vraiment aller chercher hauteur As, euh, hauteur Dame pure, tu vois. Ah, intéressant. Voilà. Du coup, j'ai call. Et en vrai, bon, bah... Ah, il, a, il a 5 et 6 off, et en vrai encore une fois, il a le buff le plus rentable de l'histoire Encore une fois, il a hauteur 6, pourvu qu'il fasse folder hauteur 10, hauteur Valet, hauteur Dame bah, Il gagne déjà une tonne d'argent mmh. En fait, il n'a même pas besoin de me faire folder hauteur As Pour que son bluff lui rapporte de, de l'argent ouais. euh, Ici pareil, c'est une main euh, particulière euh, Je suis pas trop fan de la... Enfin, j'aime bien le flop, mais j'aime pas comment je l'ai joué T'as hein. envisagé euh... de 3 bêtes ici ou pas Oui, euh, maintenant je me suis montré très agro contre lui Je sais qu'il... Playback bien, donc j'ai décidé de défendre parce que j'avais bah, pas forcément envie de... de continuer à développer cette image d'agro monkey. Mm -hmm. Il décide de faire un quart. Euh... J'ai suffisamment de value pour check raise en bluff ici. Donc là, du coup, là, en fait, c'est un des entre guillemets euh, meilleurs combos potentiels à prendre en bluff parce que du coup, j'ai backdoor flush, backdoor quinte. Et j'ai une over à la dame, c'est-à-dire que bah du coup si jamais je rentre dans Roi Dame, bah, je rideau sur l'As. En plus d'avoir mes, mes doubles backdoor. Euh, du coup j'ai pris en check parce que bah, en vrai dans cette line j'ai genre dame 7, j'ai dame 2, soot. Euh, je pense que je, je suis pas sûr, Je le couvre en KO, donc je pense que dame de off, je défends aussi. Euh, 25 deep. Si je 3 mètres pas, je défends. Euh, j'ai Broland 2. Je dois probablement pas avoir 2-7, Je pense que je... Ah, f... Il a, il, a, il a quand même 28 blindes au début du coup. Je pense pas que je 3-bet call de 7. J'ai 2-7 en vrai. Donc j'ai 2-7, dame 7, 2-2, dame 2 sout. Euh, je pense que c'est suffisant pour avoir euh, une range de check raise ici. Euh, voilà. Du coup, j'ai décidé de check raise. Il a call. Euh, quand ça vient le 6. Le 6 change pas grand chose. Ça... En gros, je vais pick up de l'équité avec genre, mes... bah, des mains comme 6 et 5 de pique. Euh, si et 4, 4 et 5 de carreau ou de pique, etc. Ça va me permettre de pick up de l'équité. Euh, c'est une carte qui avantage ma range plus que la sienne, mais elle change pas grand chose par rapport aux équités. Et euh, en vrai, j'étais un peu perdu avec ce combo là précisément. Je savais pas trop quoi faire. Turn, euh, j'avais pas envie de check, mais je savais pas quel sizing faire non plus en bet. Du coup, je pense que c'est pour ça que je dis que j'ai pas aimé comment je joue la main parce que je pense que j'ai pris la pire option. J'ai bet genre un. Car, je crois. Ouais, j'ai bête un quart. Et euh... En vrai je trouve ça nul. Ça accomplit rien. Ça va induce des transfo et des bluffs chez lui. Que je pourrais pas assumer. Et en vrai, quand tu réfléchis à ma range, je pense que j'ai juste... Je dois avoir que du check pour check jam. Ou alors que du bet, mais genre du bet genre mi tu vois genre mi -po pour ce... mi -po pour voir jam la river. En gros là je fais mi Et genre là si je fais mi il va lui rester genre 15 blindes et River le pot il fera genre une trentaine de blindes. Et Du coup, bah, je peux juste mi pot mi -po, tu vois, genre sizing géométrique. Et euh, je pense que c'est la meilleure line ici. Du coup, j'ai fait 25% de pot et j'aime pas. Bon, je trouve ça nul. En vrai, j'étais un peu perdu dans la line. Je me suis mis tout seul dans un spot compliqué. Et euh, voilà. Du coup, euh, je suis pas trop fan. Voilà, ouais, ouais. voilà j'ai euh... mis de ta folle du coup. Ouais, j'ai folle. Et euh, il avait As 2. Il m'a own. Il a trans. Ok. Il a senti la faiblesse euh, sur ton, euh, ouais. ton batteur, je pense. Ouais, ouais. ouais. Je... ouais vraiment pas fan de comment je le mange je... ouais j'aime pas intéressant euh, ok ici on va fold on va yeah. on va fold on va open ici ça va passer ok oh. open 4. waouh wow. en, <laughs> dû... <laughs> en, en gros en gros Incroyable. il fait tapis quoi en gros pour moi il, il a, il a... Il a 15 blindes et il en fait 4. Enfin, pour moi, en gros, il fait tapis, tu vois. En gros, là, il là, y a un palier. On est... Euh... Bah, du coup, on doit être euh... on doit être 24 left et il y a un palier à 23, je crois, ou 25. Bref, il y a un palier. Ou peut-être à 28. Je... Tout ce que je sais, c'est qu'il y a un palier. Et du coup, il open à 4. Et donc, pour moi, il fait tapis. Euh... Et j'essaie de clic. Euh... Pourquoi Parce que je pas, pas envie de... Enfin, en fait, enfin, je lui demande tapis, quoi. Je pas forcément envie d'aller voir un flop. Enfin, euh, je, je, je n'y vois aucune, aucun intérêt. Et euh, j'ai aussi, je pense que j'ai des click folds, c'est-à-dire que je suis content d'iso, euh, d'iso bouton. Et euh, je pense que je vais avoir des click folds, c'est-à-dire que, en gros, je lui demande tapis sans faire tapis, c'est-à-dire que, ok, là, je fais huit blindes, euh, j'ai euh, roi d'amof euh, loading fait tapis, bah, je fold, tu vois. Mais ouais. contre Ramon, bah, j'ai un call pur, tu vois. Ou genre, j'ai as 9 suit. Euh, j'ai ben, aucun intérêt à call as 9 suit ici, j'ai juste envie d'iso pour, pour partir à tapis. Mais si loading re-raise derrière, bah vas-y, je, je ferme ma gueule, tu vois, je perds 8 blancs. Euh, du coup, j'ai estimé avoir quelques click -fold quand même dans ma range, et des click évidemment, dont deux as. Euh, et comme Ramon était un joueur récréatif, je, pour moi, il y avait. En fait, Enfin, il n'y avait pas un monde où il foldait, quoi. Il était prêt à faire tapis, et il faisait mmh. tapis point barre. Donc j'ai juste Enfin, à ce moment-là, j'ai pas, pas réfléchi, quoi. J'ai cliqué à 8 en disant vas-y, bonne chance. On part à tapis, donne-moi ton bounty et on passe à autre chose. Tu vois. Et euh, du coup, il a tanké tout, tout, toute sa vie et il a fini par folder. Il avait peur de 5, il a fini par folder parce qu'en oui. fait, il n'a pas eu le palier en fait. Personne n'a busto et je pense qu'il voulait absolument le palier. Et du coup, il a fini par folder. Il avait peur de 5 et je pense qu'à la base, il était quand même parti pour faire tapis. Mais euh, du coup, il a, bah, il a fold. Du coup, j'étais un peu en tilt quand je l'ai vu fold. Ah, je tu que... ad... Mais ça va être intéressant dans ce genre de spot de toi, tant full tank aussi pour, pour respecter que le palier passe, non Euh. Oui, en soi, euh... en soi, oui. Ça me change... parce que moi, ça me change rien. Mais euh... tu sais que lui, ça le libère ah, je potentiellement fais... d'une pression. Je vais, et pas, que... je, vais... je vais pas, je vais pas craquer de la time bank, quoi. Ouais, non, c'est sûr, c'est sûr. Bah, je vais pas craquer de la time bank pour lui non plus. Mais je clique sur la je clique back en vrai. Hein. En plus, j'ai cliqué à huit, ça veut dire que là, même s'il craque tout bank, il peut call. Genre il call, il est ip, on va voir un flop, il lui reste trois blindes. Donc en gros, en gros, tu vois, il... Genre, je vais pas non plus craquer de la time bank pour lui dans le sens où là, s'il si veut vraiment tanker toute sa vie, bah, il peut le faire. Parce qu'on va avoir un flop, je peux checker, il check back, c'est genre on peut aller jusqu'à la river s'il si veut. Tu vois ce que tu veux dire <laughs> du coup, euh, du coup un peu Ozef, tu vois, il a, il a pas besoin de fold les je pense. Euh, bref. Pour moi, pour moi c'est juste, euh, il, a, il a fait tapis, j'avais deux âges, j'étais heureux. Euh, je comprends. Et, ouais. euh, check. Euh, du coup, bon, il, a, il va avoir une range de check range, donc forcément il est protect. Il euh, y a des turns qui vont avantager ma range. Euh, si je commence à bet ça au flop, je pense que je bête trop. Euh, surtout qu'il il va avoir des bonnes fréquences de check raise. Et j'ai quand même euh, deux d'or -de quinte. Donc euh, j'ai décidé de le check back. Ouais. Ok. Doublet du 6. un du 6. Et là il check encore. Et en vrai là je m'attends à ce que sa range soit un peu trop capé Et en fait j'ai déjà tellement de, de mains enfin, genre Je suis déjà tellement heureux de faire folder euh, Roi 10, Dame Valet, euh, Valet 9 etc etc. etc. Que du coup j'ai estimé avoir un bet et surtout que j'ai encore euh, ben Moi j'ai encore le droit d'avoir genre 4 Sud qui va pas trop bête pré-flop. Euh, j'ai genre paire de 5 qui est pas obligé de probe au flop. Euh, enfin de lead au flop. Paire de 7 qui n'a pas envie de se faire check-raise Enfin euh, bref. J'ai euh, largement de me défendre dans ma range. Euh, j'ai aussi des 6x, euh, Et du coup, j'ai juste bête euh, un tiers, je crois. Hein, parce que ouais, voilà j'ai suffisamment de... J'accomplis déjà euh, énormément, que ce soit en bluff ou en value. Et il a foldé, je sais plus ce qu'il avait. Voilà, intéressant. J'aime bien la laine, en tout cas. Euh, tu te fais renouveler 3 bêtes euh, size par loading sur pas, la limite. Ouais, je pense que bon, ouais. Ouais, je n'ai pas abusé, je suis juste fold. Ok. 8 6 sont à fold, UT3, on à fold, 5 et 6, sur une <laughs> défense, j'imagine. Ok. Il s'est bête ici. Tu imagines que tu as call Ouais. Check. Hélas, tu n'as aucun intérêt à miser. Oh, il check back, ok. Je t'es toujours battu quand il check back, de toute façon. Euh, ouais, et là, euh, à ce moment-là, je pense que j'avais prévu de check raise. S'il avait misé river, j'avais prévu de check raise. Parce qu'en vrai, ma range, elle est ultra protect. Euh, j'ai pas énormément de flush, mais si tu remets le board, en haut, comme j'ai check turn. En fait, la, la river, c'est la meilleure carte. Je m'attends à ce que sur cette river, bah, tous les bluffs qui ont décidé de check turn vont battre la river genre s'ils ouais. se retrouvent retrouve avec euh, se retrouve avec euh, 8 et 7 de, de trèfle, tu vois il va pure bet river et etc. bref et du coup bah typiquement moi dans ce spot j'ai le droit d'avoir genre 5 et 9 sous euh, dame 9 euh, dame 5 qui va pas check raise euh, parce que je bloque trop euh, j'ai quelques genre mes meilleurs flush qui peuvent jouer en, en check call genre si j'ai genre euh, si j'ai genre roi 10 de pique bah je peux jouer en check call tu vois euh, et j'ai évidemment des euh, As2, As5, As9 qui arrivent là euh, avec genre As9 avec le 9 de pique par exemple, etc. Et euh, bah ici en fait du coup je vais genre toutes mes monstres, tous mes mons genre toutes mes doubles paires, etc. Je vais les pure check, vois, genre mais j'arrive aussi avec des 3 et 4 tu vois. 3 et 4 euh, avec un pique. Je suis pas sûr de défendre 3 et 4 off, mais genre euh, 3 et 4 de carreau, je vais pur call flop, tu vois. Genre j'ai open addit tu vois. Donc j'arrive avec des avec quelques 3 combos de quinte quoi. Euh, et mes double per etc. Et du coup, River, je vais tout le temps les checker euh, pour les check raise justement. Parce que du coup, s'il a A3, je le mets dans une sauce pas possible, tu vois. Et du coup, j'ai estimé que c'était cool bah, avec ce 5 de transfo tu vois. Genre, si jamais je fais... Si je fais folder juste euh, A8, A10, As quelques combos de a euh, Bah je suis heureux, tu vois. Mm. Et, euh, et du coup, là, je pense que j'étais parti pour check raise. Genre, s'il avait fait genre, je sais pas, genre 4-5 blindes j'étais parti pour check raise genre... 18-19 transforme à main et bon au final il a check back et du coup bah, bah j'ai perdu c'est intéressant son check back avec as 3 en vrai hein. river je pense que c'est je pense que c'est très bien joué ouais moi aussi euh, ok ici bon on va passer as 3 tac 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 petit open facile c'est cool en BB, flop plutôt sympa une blinde ça fold dommage ok perda ici on va open défendu en big blind c'est bêtes de tiers. Ça, par exemple, ça a fall des shandy. Pas grand chose à commenter, j'imagine. Euh, ici, c'est call. Cool, fait deux. Intéressant. Euh, Il décide de bête. Est-ce que tu as check raise ici Non, tu as call. Tu veux parler de cette décision ou pas euh, Non, ça me paraît assez standard. J'ai pas d'over au valet. Euh, J'ai qu'une backdoor quinte euh, lointaine, quoi. Euh, avec le 2, euh, du coup j'ai juste un combo qui a envie de check call et check fold turn quand ça vient genre quand ça vient genre la dame de carreau et qui de barrel bah j'ai un fold et puis voilà faut okay. juste check call turn je fais flush on peut déjà réfléchir à check raise sur cette turn euh, sauf que euh, bon d'expérience et en regardant les datas etc euh, le field over bluff de mutant quand ça fait flush and turn c'est à dire que le field de manière générale a tendance à prendre any x de cœur en mode ah bah j'ai le 8 de cœur, ah bah j'ai le 9 de cœur, ah bah j'ai le Roi de cœur Et du coup en mode, ah bah du coup il y a flush in, du coup je bloque des flushs. Du coup bref Et du coup les gens overbluffent de mutants quand ça fait flush in euh... Et du coup sur cette terre je m'attends à ce qu'il soit un peu déséquilibré en bluff euh... Du coup j'ai moins d'intérêt à check-raise et je préfère le laisser miser à la river Donc je préfère call River en As, là je l'ai un peu J'ai J'ai vu l'As et j'ai envoyé un emoji j'ai mis un emoji glagla en mode euh, ah run bad euh, la river horrible. T'as été bon sur les emojis euh. quand même pendant le pendant 3 <laughs> j'en ai vu pas mal. Hein. Alors que alors que je suis alors que je suis noté du coup il attend qu'il a bête Mipo. Euh, je pense que Mipo c'est good ça suffit pour faire folder mes valets et tout. Et moi j'ai pas réfléchi à raise j'ai snap call. Okay. Euh, en vrai euh, je suis pas fan de mon snap call parce que bah bah on est en droit de réfléchir quoi genre il a le droit d'avoir il a le droit d'avoir as -dame ici, il a le droit d'avoir quelques as valets qui font deux barrels pour check back river, etc. Euh, il a le droit également d'avoir des euh, genre, bah, des quintes en vrai. Genre, ouais. euh, il a genre 5 et 2 soutes qui va pure open au bouton. Surtout qu'une quinte euh, genre Roi-10 avec il a le Roi, roi 10. Ou 10 de cœur. Il a, euh... a, 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 a Roi-10 avec le Roi, enfin bref. Ouais. Donc il a quand même beaucoup 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 de mains euh, en value que je vais mettre dans la sauce quand je jam. Du coup j'ai snap call en me disant ouais mais parfois il a flush mieux que moi mais vas-y je suis un fils de pute. Euh, et je pense que je peux vraiment réfléchir à, à Ray cette river. Je pense que j'ai quand même beaucoup de value sur beaucoup ouais. de points. Euh, voilà, ouais, j'aurais bien aimé Ray aussi. Changement et... de table, on est c'est le redraw. On est Attends bah du coup, on est 18 ou 17 left. Là, on est oh là, Ah non, attends, on est 23 left, je crois. On est 23 left parce que c'est la première fois que j'arrive à la table d'Emilien. Okay. Là, on est 23 left, je crois. Voilà. 23 left. Tu sais combien tu as déjà dans la banque là euh, là, euh, 23 left, on est assuré de 9600 euros. Donc, on est assuré de 10k plus les boutiques les prix. Donc, là, moi je suis assuré de 11 000 euros. Okay. Je suis assuré de 11 000 euros. Voilà, voilà. Et tu défends Roi 5 off. Du coup, euh, sur l'open des millions au boutons. Ouais. Euh... Okay. Check Check, back. check. Je pourrais de temps en temps euh, bet cette turn mais je suis contre Emilien qui est du coup a un top reg, genre top 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 reg, habillé genre 450. Et euh, du coup bah je sais qu'il a euh, 2-7, 2-8, 2-9, 2-10 dans ce spot, il a les low valets, il a les 6x, enfin il a une range qui est ultra protect. Et euh, du coup j'ai estimé ne pas avoir assez de value et trop de value cut euh, ici, surtout que je m'attends à ce que tous les bluffs naturels, en gros toutes les mains que je bats, Vont très souvent bet, flop auto. Euh, du coup, ici, euh, j'ai estimé juste ne pas avoir, enfin, euh, juste pas de value, quoi, juste trop de value cut, même mm. si je readro good. Et que du coup, bah, en fait, ce qui est bien avec ma main, c'est que qu'importe son sizing, même s'il si, fait genre 8 blindes, bah, en fait, j'ai un call ultra facile, tu vois. Mm. Un... Donc, j'ai, en fait, j'ai pas besoin de lead dans le sens où, en fait, qu'importe le sizing qui prend, je vais pouvoir me défendre et je vais pouvoir call cette main. Du coup, j'ai décidé de check pour check call. Il, il, il a dealé un, un quart. Euh, pour le coup, sur le 1 quart, j'aurais pu réfléchir à check raise. Encore une fois, je ne l'ai pas fait. Et là, ça vient le 2. Euh, le 4 fait quinte. Il en a pas euh, tant que ça. La majorité de ces 4 vont s'y bêtes au flop. Je pense, genre AS4. Roi 4 vont peut-être bête flop. Euh, Quoique, peut-être pas. Non, en vrai, si... vrai c'est un règle. De... Bah, genre Roi 4 de carreau jamais. Mais As 4 de jamais. Mais genre a genre As 4 de pique, peut-être. Euh, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai beaucoup plus de 4x que lui dans ma range. Maintenant. Euh... Je n'accomplis pas grand chose encore une fois. Euh, je ne suis pas sûr de faire des 2-8, 2-9, 2-10. Je pense que, genre, à 6, il a un héros call facile aussi. Mmh. En fait, je pense que je ne fais pas des mieux. Et... et. En tout cas, je suis trop haut pour Transfo Bluff et trop bas pour value. Juste, juste, juste un check et je vais juste prier pour qu'il est moins bien. Je ne sais pas quoi, mais moins bien. Ouais, ouais, ouais. Mais bien dans ce 10, spot, euh... je pense. Je pense que j'ai perdu à peu près 90% du temps, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Mais, mais, enfin, j'ai perdu 90% du temps, mais je fais pas folder mieux, quasiment pas. Tu vois. Mm. Du coup, bah, en fait, je suis obligé juste de give-up et d'accepter de perdre le coup, tu vois. Intéressant. Euh, tu décides de limp ici contre Mr. Enki. Euh, tu décides de check le flop, et check back, si j'imagine que tu as l'e-turn, tu overbet. Euh, tu veux commenter ouais. le sizing ou pas bah, euh, du coup, bon, Flop, j'ai checké, bah, du coup, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour avoir une range euh, protect, BVB, c'est très important, euh, garder des, des top pairs et tout. Et euh, Turn, en vrai, le 7, bon, voilà, bah, ok, je fais deux pairs, mais en fait, c'est une carte qui va m'ouvrir énormément de bluffs. Je vais pick up de l'équité avec mes 6, mes 4, mes 9, mes 10, euh, euh, je vais avoir des, des, des dames 10, etc. Donc, en fait, c'est une turn qui va m'ouvrir beaucoup, beaucoup de bluffs, qui va m'attribuer beaucoup plus d'équité. Et, euh, et de manière générale, une fois que j'ai checké Flop, de toute façon, euh, si je veux décider de bah, lead, enfin, bet turn, je pense que overbet va être l'un des seuls sizing ici, théoriquement. Et, euh, et d'autant plus sur cette turn-là, qui du coup bah, ouvre énormément de draws. Euh, des backdoor flush aussi, parce que du coup ça ouvre les cœurs, etc. Enfin bref, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de bluffs naturels ici. Du coup, je, me, je, je pas regardé ma main, en fait. J'ai juste dit, bon, bah, cette turn, elle est insane par rapport à mes bluffs. Donc je suis très content d'overbet avec, euh, avec mes values aussi, tu vois. Ouais, voilà. oh, j'aime bien le... 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 Bon, il a foldé next. Si on a du fold. Euh, ouais. Si on a du fold. Si on a du def, Non pas besoin. Paire ouais. de neuf. Ouais. Ok, limp. Un petit trap. Iso. Ouais. À limp pour limp jam du coup. Bien. Il a tanké tout ça. Il avait as de soute, Je sais pas ce qu'il fait. <laughs> c'est trop nul. Un Peu d'acting. Voilà. Non mais il doit jamais iso quoi. Parce que du coup il iso pour iso fold, c'est horrible. Ici, ouais, ouais, ouais Bon traîne. standard. Ok. Table 5. Si de batch, je fold. Normal. Ok. Asset. Suits. T'as réfléchi à call ici ou pas Non, jamais. Ouais. Tac-tac. ici. Je ok. Là, on refait la même avec key check check tu sais de check ici je pense c'est standard il bet, tu call tu, ré... tu... tu réfléchis à fold ici son bet turn ou pas non ok trop de bluff naturel si euh, es c'est la vrai. pire river si euh, bon, il a il a enfin bon là j'ai vu ça j'ai mis <laughs> hop pastille joueur récréatif genre c'est la meilleure river euh, il a un... il a enfin il a déjà il a check back flop alors qu'il a gut shot machin j'ai il a check back flop, il a et il a bet turn sur un valet et river sur le 9. Non, oh, ah, là je peux plus bluffer. C'est genre c'est genre vraiment c'est il a genre vraiment il, là il fait 8 blindes et il prie il prie pour que je folde un 4 et bien joué tu. vois. Il fait folder un 4, il fait folder il fait folder un 9 qui, qui arrive là en vrai genre je colle que des valets je pense des valets des dames 10 quoi genre. Bref. Euh... OK, parlé, ah, je je me rappelle de cette main, je crois que je l'ai grave mal joué. Ouais, je me rappelle. Yeah. Donc j'essaie de mettre auto, turn valet. Euh, et en gros, j'ai décidé de barrels parce que je value genre euh, les 8 et 9, 7 et 8, les piques, les 10x. Mais en vrai, ça pue la merde. Mm. Euh, genre, je me suis... En fait, j'ai arrêté mon sinking. Voilà, je value encore des 10x. Genre, je value de Dame 10, Roi 10, les piques, euh, 7 et 8, 8 et 9, machin. Mais en fait, je ne me rends même pas compte de Sarin. Mais Sarin, bah, évidemment, il a, il a, il a des A6. Il arrive avec Roi Dame. Il a Dame valet. Valet 10, Valet 6, euh, euh, Roi Valet. En fait, il arrive avec tellement de mains meilleures que moi. Genre, en fait, je peux pas me permettre de target que genre euh, 8 combos de value, alors qu'en fait, je me value cut dans 10 combos. Enfin, genre, mmh. ça pue la merde, tu vois. Et euh, du coup, j'ai fait mi pot en mode ouais, je value des mains et je check back River et tout. Mais genre, c'est trop, 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 trop nul. Et j'ai juste un pur check back, je pense, avec ce combo. Enfin, je pense pas, je suis sûr. En plus, lui, je sais pas si tu le savais à ce moment-là, mais il est quand même assez taille, quoi. Il est nul. C'est un joueur récréatif. Bah, du coup, à ce moment-là, je le sais pas. Là, il donc bet River. Je me dis ok c'est un joueur récréatif je sais pas ce qu'il a mais je sais que c'est un joueur récréa je fold et 15 minutes plus tard j'ai vu qu'il avait as de off et du coup bah il a fait deux paires river il a tombé vraiment donc là à ce moment là je savais que j'avais j'avais à ma gauche enfin récréa récréa quoi ok bonne chance pour le bounty dommage dommage et 3 fold tu, tu open ici, c'est quoi ton bottom de, de jam ici Dans le v deep euh, je vais prendre AS2, AS3, AS4, AS5, AS6 off, AS7 off, peut-être de temps en temps. Euh, ça dépend de comment mon adversaire se défend euh, pré-flop et post-flop également. Là, je sais que c'est un joueur récréa. Euh, il va overfold. Euh... Tout est. En vrai, je le... peux limp call, je peux limp jam, je peux jam. Peux... En vrai, je peux tout faire contre ce profil puisque en fait, il va faire trop d'erreurs que ce soit pré ou post -flop. Et là, j'avais juste. J'étais en mode, vas-y, je me prends pas la tête, je fais tapis bonne chance. D'ailleurs, il a il a, tant, il a foldé à suite suit voilà. okay. Donc, euh, s'il si fold à suite suit en vrai, je pense que je print tellement. À juste jam et prendre lever pré-flop. Euh, voilà. Ouais, je suis d'accord. Bien. Roi 2, si tu décides d'open sur le monde des millions, tu te fais euh, 3 bêtes. J'imagine que tu vas fold. Tu te rappelles ce, ce qu'il avait ou pas Comment Tu te rappelles ce qu'il avait là Non. à as roi, je crois. Je sais plus. Ouais même thinking process euh, ouais ouais en vrai là je préfère quand même limp pour limp jam ou, ou open size mais genre je suis pas fan du jam directement à suite de en vrai okay. je suis un peu haut quand même je suis un peu haut dans ma range je peux open genre deux et demi et induce quelque chose tu vois mais voilà. bon ouais, moi j'aime bien s'il a vu ton open euh, tout à l'heure open jam euh, rovalyov euh... bah il l'a pas encore vu là ça fait ah, il l'a pas 000. encore vu ouais. là j'ai aucune info sur là à ce moment là j'ai pas assez d'infos sur mister qui enfin genre euh... Ça, je, ça fait pas encore 15 minutes donc je crois Ah si, 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 ça fait déjà 15 minutes, je crois. J'ai vu As de Sout. Euh, j'ai vu As de Sout, mais j'ai pas vu euh, les jams d'avant, bref. Et là, il jam. Et bon, c'est mon bottom de call. Genre, à suite, Sout, j'aurais été un peu embêté. As de Sout, j'ai un pur call. Nice. Et voilà. Beau bounty en plus. Magnifique bounty. 50 blindes, là, je, je, là, je ah, là, commence là, là, à y, là, là, y, y, y croire. Là. Ouais, 20 enfin, left, là, on commence à vibrer. Là. Okay. Il est 22h et je me dis, allez, bonne chance. Quoi. C'est un fold. Ici c'est un fold. Ici c'est un fold. Ici c'est un fold. fold. Posterité il y en a foutu un peu partout d'ailleurs. Et c'est lui qui a, qui a causé ma, ma la perte. descente aux enfers un peu. Ouais, plus ou plus ou moins. Il m'a fait pas un gros coup. qui m'a... Tu euh... retrouves le bordelais ton copain Ouais, du coup j'ai décidé de bête flop il a call. T'es un doublet de la dame, j'ai pas assez de Dame dans ma reine, je peux pas mettre de deux barrels et de toute façon... Lui a une range plus forte que la mienne, puisque je vais bet auto flop. Euh, euh, du coup, ici, bah, check. Euh, il fait deux tiers. En vrai, euh, je ne vais jamais folder un roi. Il a quand même beaucoup de bluffs à disposition. Et river set et jam overbet. Et bon, j'ai pas trop de temps en vrai, j'ai foldé assez vite. Euh... Voilà. Je euh... souvenir, il avait une dame, non Non, ouais, il, avait, il avait une dame. Il avait dame 9 ou dame 8. Ouais. Ou Dame 10, je sais plus, mais euh, ouais, je sais pas... en vrai. Je sais, je sais, je sais qu'il a des bluffs et je sais qu'il est capable d'avoir euh, bah, tous les bluffs du monde, enfin, euh, tous les bluffs en tout cas euh, naturels qu'il va prendre à la turn. Mais euh, stratégie de tournoi, machin, enfin, euh, risque-reward était pas ouf. Hein, genre, j'ai estimé que fold, je pense, était quand même vachement plus profitable mm. et que le call était vraiment genre, euh, bah, de toute façon, quand tu catches, c'est EV0, quoi donc. Euh... Ah, intéressant. Euh, Il est ce que tu vois être ton call. Euh... Ouais, moi, je te pose la question parce qu'instinctivement j'aurais fold. Ouais voilà ça va être très souvent un fold. Euh, surtout qu'il y a le bordelais qui va bien squeeze jam derrière. Et, ouais. et, mais bon EV2 EV equity est un recrea euh, tight. Du coup je m'attends pas assez, à me faire assez punir. Il n'y a que le bordelais qui va potentiellement me, me faire me punir. Euh, je suis en position contre Posterity qui est un joueur aggro. Euh, et je, en fait, ça va être vraiment facile de jouer ma main, genre vraiment facile. Et du coup, j'ai pris le call, mais euh, je le prendrai pas 100% du temps. Quoi. Mmh. Voilà. Bah, moi, c'est un des, un des coups que j'ai bien aimé, euh, surtout turn. Mais, euh, mais c'est vrai que le, le call, je pense que je l'aurais pas fait moi. Mais de euh, la suite, du coup, je la trouve assez sympa. Ici, il bah, va décider coup, de check. check... Club, bah, il, comme je te dis, de toute façon, un, lui, c'est un joueur ok. Euh, il, a fait, il a fait plein de trucs nuls, mais voilà, c'est un. C'est un bon joueur qui fait parfois des grosses erreurs, mais voilà. En tout cas, il comprend. Je pars du principe que du coup, il va avoir, comme d'habitude, comme tout bon joueur, une strat de check range OOP. Ici, du coup, je ne peux jamais me permettre de bête, paire de 5. Et là, quand j'ai vu la turn, j'avais déjà pris ma décision. En gros, c'est la plus belle turn pour lui. Genre, il va avoir énormément de bêtes sur cette turn. Genre, il arrive avec Roi-Dame, As-Roi, As-Dame. Euh, roi 10 euh, Roi 3 Sous, enfin bref, et même tous les bluffs, genre si la, alors Dame 8 euh, qui a check flop qui pour check bon bah là qui va pur, enfin bref, il a c'est genre vraiment la carte qui tabasse sa range et qui lui attribue énormément d'équité par rapport à la mienne. Et du coup je m'attends à ce qu'en fait tous ses bluffs et toutes ses top value bet, tu vois, et bet cher. Et du coup là quand il check, je me dis là en fait quand il check c'est fini. Genre, en vrai il a perdu, genre sa range elle est au méga Capé genre là. Sa meilleure main, genre vraiment la meilleure, meilleure main potentielle, c'est Dame-Valet. Voilà. Il a Dame-Valet, c'est sa meilleure main, tu vois. Sinon, il va arriver avec des 10x, euh, As-3 peut-être, euh, qui ne va pas transfoterne. Euh, il va arriver avec euh, paire de 6, paire de 7, paire de 8, paire de 9, euh, et c'est à peu près tout, quoi. Sa range, c'est ça. En fait, sa range, elle est oméga KP, Il a des pp, euh, une rente... Bah, il est, je pense même pas qu'il a autorise parce que genre là, en vrai, si je lui donne genre As-5 soute, je pense qu'il peut dealer euh, assez cher sur cette turn. Euh, mais du coup, il arrive avec, allez disons peut-être, euh, allez euh, 50-60% d'autres races euh, par rapport à sa range globale. Euh, des, toutes les pp, euh, et sont, vraiment sa meilleure main, encore une fois, c'est genre Dame Valley Off. Quoi. Il, il, il peut avoir genre mmh. Valley 8, Valley 9 de temps en temps, et sinon, il a des, des 10x. Quoi. Du coup, là, sa range est tellement capée en gros, moi, je peux Bet Range. Genre là, avec paire de 5, je sais que j'ai perdu. Quand il... En fait, les mains que je bats vont Bet Turn. Du coup, quand il check, j'ai forcément perdu, mais je run dans une range qui va bah, fold dans deux barrels, tu vois et du coup là je suis en mode bah, je vais juste transforme ma main turn là là je, là je fais pot à la turn je fais déjà folder paire de 6 paire de 7 paire de 8 paire de 9 paire de voilà paire de 9 c'est déjà, déjà excellent euh, et, et, genre, euh, et genre je vais target genre valet 8 valet 9 et genre dame et genre et des 10x à la river quoi genre là je fais ça river ça vient un 5 enfin, bah, non du coup pas un 5 mais genre ça vient un 2 je te barais genre pote et en fait bah, c'est impossible pour lui de call genre un valet ou un 10 quoi. Enfin c'est très dur quoi. Ouais, mais de souvenir il avait une main genre 10 et 8 ou je sais plus un truc comme ça. Il avait, il, avait, il avait 10 et 8 de cœur et il a foldé des ouais. turn ouais, Mais du coup, dit, euh... bon, bah, tu vois, s'il si, si fold un 10 dès la turn, ça, ça te montre à quel point en vrai, la line est... Euh, pense, est quoi. Ouais, j'accomplis déjà beaucoup à la terne. Ok, bon ici, pas bon. Euh, Lace, euh, Lace l'est il avait 10 et 4 de cœur, je sais pas. <laughs> ce que tu, vois, tu vois, du coup quand j'ai vu ça, je mais tu dit, mais la main d'avant, juste avant. Ouais, ouais mais je me souviens. Et genre, je me suis dit, mais tu vois, qu'est-ce qu'il fait tu vois Pourquoi Open, flat, et là, il s'est dit, ah, ils ont des ranges capés 10 et 4 de cœur, il a. Il a... J'ai vu ça 15 minutes plus tard, j'ai dit, mais toi, t'es toi, toi, mort, toi. Toi, tu me 3 bêches, je te 4 of range, toi. <laughs> es fini, là. Euh, j'ai pris le jam directement. Euh, as 3 suit, j'aurais sûrement. Enfin, euh, c'est sûr, j'aurais squeeze Size. as 3 Off, ça ne me dérange pas de jam directement, surtout avec deux joueurs. Euh, euh, relativement compétent, bah, à ce moment là du coup j'ai pas l'info de Posterity donc pour moi à ce moment là Posterity c'est un reg Bordelais reg en bébé Emilion top reg enfin euh, top ouais, reg aussi ouais. Bordelais bref, et du coup euh, je suis content de juste jam euh, euh... Bon d'ailleurs tu verras quelques mois plus tard c'est ce qui m'a, bah, le fait de squeeze size à peu près le même sizing c'est ce qui m'a mmh. coûté mon tournoi parce que du coup Posterity il a 110 blindes et genre qu en vrai, quand, quand je fais genre 10 ou 11 bon, en vrai il est hypé, il a, il, a, ouais, il a 8 et demi à mettre dans un pot qui en fait genre euh, ouais, genre 18 en fait, il peut quasiment tout call, enfin toute sa range de call, en fait, euh, préflop, il euh, peut quasiment call mon squeeze, du coup c'est très très chiant. Et euh, du coup, pour cette raison, euh, je pense que jam directement est plus profitable, pour, pour, bah, juste pour l'écoute l'équité de postérité qui va call une tonne, quoi, mm. si je squeeze size. Euh, As-Valet, j'ai décidé de flat, pareil, je suis pas fan, je préfère trois bêtes Après, j'étais parti dans l'optique que si ça jam chez le bordelais, je call. Euh, en gros, j'étais en... C'était pivot entre trois bêtes bluff et call pour Indius chez le Bordelais et call s'il si jam, tu vois. Mmh. Euh, mais ouais. et bordelais qui fold, écoute, euh, qui défend. Fold. C'est plutôt easy. Pas de décision. Okay. Standard. C'est de misé, il call. Bien alors alors là, c'est intéressant. Ouais, alors elle, elle, est, elle est super intéressante cette main. En gros, euh, Flop, du coup, il check, je décide de size up. Euh, genre, je pense que le fil de manière générale, euh, va beaucoup plus size up en bluff euh, qu'en value. Euh, genre, si je mise un 7, un 5, je vais probablement pas faire genre 1,5, tu vois, je peux juste faire 1 ou 1,2, etc. Euh, le 1,5, le click ça va être très euh, bluffy orienté. Et euh, turn, en fait, ça vient doubler du 7. Et en fait, c'est une carte qui avantage plus sa range que la mienne. Pourquoi Parce que lui, il est censé check quasiment tous ses 7x, tous ses 5x, etc. et les lots les 10x. Alors que moi, quand il check, bah, la grosse majorité de mes 7x vont être des checkbacks. Donc en fait, sur doublette du 7, c'est une carte qui avantage beaucoup plus sa range que la mienne. Euh, il a décidé de jouer en check. Et en gros, moi, j'ai décidé de barrer le mon 10. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, ici, je pense que j'ai. Quand je dois barrel, j'ai beaucoup trop de bluffs, parce que parce que le set avantage sa range, bah du coup euh, euh, tous mes 5x euh, vont, vont check back, euh, la majorité de mes 10x peuvent euh, check back, et du coup en fait quand je dois barrel, bah, je me retrouve avec, je me retrouve complètement euh, déséquilibré en bluff, en fait je vais je vais arriver qu'avec des 6 et 8, 6 et 4, 8 et 9, 8 et 8 etc. Et, et je pense que lui peut avoir la même vision que moi, c'est-à-dire que lui peut se dire que en vrai sur doublette du 7, comme ça avantage sa range, bah si jamais moi j'ai genre 10 et 9 en vrai, c'est une main que je vais juste check back parce que bah, j'ai un désavantage de range turn, tu vois. Et que du coup, quand je le barrerai, je vais avoir beaucoup plus de bluff que de value, et du coup, je peux induce chez lui beaucoup de calls. Genre là, je me suis dit, en vrai, turn, si jamais il a la même vision que moi euh, du spot, bah, il peut se mettre à call Roi-Dame, euh, Dame-Valet, euh, Any-Haute-Race, euh, n'importe quel pp, genre s'il a paire de 2, paire de 3, paire de 4, etc. Et, euh, et du coup, j'ai décidé de barrer l'ancienne value, mon 10, parce que je pense que je serais beaucoup trop bluffé. Et, euh, et voilà. Et là, du coup, quand tu mets ton 10, tu t'es prêt à, à assumer un check raise de sa part euh... process, Si là il te raise, euh, parce que justement il se rend compte que as trop, t'es trop déséquilibré en bluff. Non, etc. non, je pense pas que j'assume <coughs> un check raise. Pourquoi Parce que euh, moi à ce moment-là, ma vision du spot, c'est que moi je rep bluffy. Moi, j'ai j'overbluff dans ce spot. Par conséquent, il a aucun intérêt à me check raise puisque j'ai beaucoup de, plus de bluff que de value. Et je fais un size qui est qui est ok. Tu vois, alors je fais deux tiers. Mmh. C'est-à-dire que, en vrai, quand il check raise, bah. Je pense qu'il a. Que des bluffs. Du coup, en vrai, oui. Du coup, je pense que je call. Enfin, en fait, s'il a la même vision du spot que moi, quand il check raise, il a que des bluffs. Qui veulent faire foller des, mmh. bah, des bluffs chez moi, tu vois. Euh, genre, je sais pas s'il se retrouve ici avec, euh, genre, Dame Valet, qui a pas envie d'assumer un, un bet river, bah, en fait, il check raise turn, parce qu'il sait que je suis déséquilibré en bluff et que je fais tout le temps, genre, bet -fall turn, tu vois. Euh... Mais euh, et je pense qu'ici un set a pas d'intérêt à raise parce que justement j'ai suffisamment de bluff pour qu'il me laisse euh, bah bah bluff, tout simplement. Oh. Mais euh ouais, ouais. Du, ouais coup, du coup je cool, du coup. Ouais, ouais, du coup ça dépend sur le check raise mais enfin ça dépend le ligne de check raise mais ouais disons que s'il si raise à 10 17,5, je pense que je colle tout le temps et j'avise j'envisage j'envisage enfin j'avise, j'avise. J'avise River mais euh mais s'il fait genre un clic, genre en fait, plus, moins, il fait euh, moins il fait cher, plus je vais m'inquiéter. tu vois. Genre, s'il me check raise à genre 7,5, 8, je vais vraiment me chier dessus. Mm. S'il fait genre 10,5, 11, en vrai, je vais, je vais le voir avec quand même une majorité de bluff. Intéressant. Euh, et, et du coup, River, fais du set. Euh, la River est rassurante, du coup. Et euh, bah là, c'est un peu le même seeking que le spot de tout à l'heure avec A3, euh, tu sais, contre A2. là. Ouais. En gros, là, pareil, pour moi, le mec, il a quasiment rien. Et du coup, moi j'aurais full bluffy. Et évidemment que ici, si j'ai genre 8 et 9, 6 et 8, 6 et 4, bah, j'ai qu'une envie, c'est de miser pour faire folder hauteur as, roi. Et du coup, quel sizing suffit à faire folder hauteur as, hauteur roi Bah, un tiers pot, tu vois. Et du coup, j'ai juste fait un tiers pour faire call, bah... Euh... Bon, j'ai je un quart d'ailleurs. Bon, j'aurais préféré faire un tiers. Un quart, c'est pas assez. Je pense que quand je fais un tiers, je fais quand même snap call au terras. Et je peux même induce quelques hauteurs roi. Et, euh, et en plus j'ai mal réfléchi au spot parce qu'il a encore des 5x. Genre un 5x dans cette line va jouer tout pareil. Ça va je crois qu'il avait un 5 de souvenir code. non Ouais il avait un 5 mais du coup raison de plus pour te dire que j'aime pas mon carpote parce que bah je pense que je peux faire un tiers au mipo parce que ça folle jamais au terrasse, ça folle jamais un 5 euh, donc euh, donc voilà. Ouais, en tout cas t'as pris 3 streets de value avec une main où je pense pas mal de joueurs auraient pas pris euh, auraient 3 pris les trois streets. Yeah. Et et là tu euh, pas très size. Mains, du coup Hein fameuse main, euh, du coup, qui va me coûter cher. Euh, bon, déjà, on peut revenir au preflop, j'aime pas du tout mon size. Euh, J'ai 40 blindes, enfin, j'en ai, ai même 45. Je couvre Emilia en plus. J'ai pas fait du tout assez cher. Genre là, j'aurais dû faire genre 11. Voilà, 11, je pense, bottom. Voilà, 11, c'est bien. Tu vois. Et ça peut paraître anecdotique, deux blindes de moins. Mais en fait, deux blindes de moins, bah en fait, t'offres tellement, enfin, t'offres tellement, tellement d'équité à posterity pour call, Enfin, tu lui donnes tellement les cotes de call mm. Et entre 9 et 11 blindes, ça peut paraître vraiment anecdotique, mais en fait, ça change vraiment tout. Et c'est vraiment une big erreur. Genre, mon sizing est vraiment nul. Et du coup, il décide de call. Et c'est my bad en vrai, parce que je pense qu'il doit jamais call sa main. Euh... Je me rappelle plus la main qu'il avait. En vrai, en, bon, en là, tu vrai, un fait. Bon, là, d'un carpot en tout cas. Ouais, un carpot, il call, turn 10. Et euh, bah là, je dois deux barrel all-in ou give up. En gros. Et euh, bah j'ai gueulé. Mais quoi Dame Valet non ou je sais plus. Il avait Roi Valet de Trèfle. Donc là ouais, il était ah oui c'est vrai il était monstrueux je me rappelle. C'est monstrueux. Ouais. Et donc, dans, dans, son, dans, dans ce sizing là quand, quand il bet ce sizing là à la terre j'estime que je suis genre mort tu vois. Et en gros mmh. pourquoi je check parce qu'en gros en fait je redraw ok genre en vrai je joue les rois, les As les Dames et en gros toute toute sa range qui enfin la majeure partie de sa range qui me bat genre paire de 5, paire de 6, paire de 7, paire de 8 euh, sont des mains qui ne vont jamais bet la turn en gros. Et euh, genre roi dame va fold des flops genre il arrive avec éventuellement genre roi dame de trèfle, roi dame de cœur qui va call flop mais je suis en fait, je pense qu'il n'a pas non plus envie de se faire check jam la turn. Donc en fait, roi dame, je pense que ça check back et ça bluff river. Les PP ne vont pas bet non plus puisque bah, elles n'ont aucune value. Et pas Il n'y de... a pas ben, assez de protection à avoir. Et du coup, en fait, qu'importe son sizing, quand il bet turn, c'est même pas que je suis derrière, c'est que je suis loin derrière. Je vais run dans Broland 4, je vais run dans Valet 10, je vais run dans euh, Roi Valais, Dame tout etc. Et, j et du coup, je run dans. Enfin, j'ai très, 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 peu d'équité. Du coup, même s'il avait fait genre 5 blindes, je peux folder, parce en fait, genre, vraiment, je, 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 je redraw très, très bad contre sa range de bet turn. Et c'est pour ça aussi que ça ne me dérange pas de checker la turn. Parce qu'en fait, il y a déjà tellement, tellement de mains qui vont check back chez lui. Et du coup, je vais pouvoir bluffer des river ou même bah hit river et value, tu vois. Et du coup, j'ai pas forcément besoin de barrer le parce que je vais juste m'empaler, tu vois. Et euh, bah en fait, je vais quand même relativement souvent voir ma river. Et quand il mise, je peux juste folder. Et ouais. euh, bon, bah, à raison, hein, il avait Rovelet de trèfle et je ne voilà, me suis pas il trompé était, sur le ça. Il Et bon, là, du coup, ça, 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 ouais, ça me fait perdre un, 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 un tiers de mon stack. et ouais, euh, à une une quinzaine de, là, de blindes à... Là, là, on est à 22 left, et là, euh, ou 20 left, ou 18 left, je ne sais plus, et là, c'est euh, une, euh, une descente aux enfers. Mais euh, si check c'est intéressant ici euh, Alors, pourquoi check back euh, C'est un board qui avantage massivement la range de bébé. Euh, même si c'est un hit, euh, en fait, justement, c'est un board qui est extrêmement simple à check raise, euh, que ce soit en bluff ou en value. Mais, du coup, de la même manière que c'est un board qui avantage monstrueusement sa range, c'est un board qui va être over probe à la turn. C'est-à-dire que une fois que j'ai check back flop, bébé va probe probablement 80-85% de charades. des mains qui auraient snap fold flop vont pure bet turn. Genre, il va se mettre à miser euh, Dame 8 qui aurait foldé si j'avais fait un tiers, Genre, il va, il va se mettre à folder, il va se mettre à bet genre Dame 8, Dame 9, Dame 10, Eni, euh, genre hauteur, enfin genre Roi 5, Roi 8, enfin. Les mecs, ils sont, on ne se rend pas compte, mais les mecs overbluff de Mutant turn. Et, euh, et du coup, je n'ai pas l'optique de check back parce que ça va trop bluffer et que je vais pouvoir tout simplement euh, bah, le laisser bluffer de barrel, raise des river etc. Sauf que turn, ça vient le valet de cœur. Et euh, il fait un tir. Et en vrai, un tir, ça ne me va pas du tout. Parce qu'il y a quand même vachement de draws. Il a tous les X de cœur. Il a quand même le droit d'avoir des, 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 des 8 et 9, des 6 X de cœur. Enfin. Il a en fait or, en dehors du fait qu'il est euh, une tonnasse de bluff, d'ailleurs, je spoil sa main, il a dame 10 off sans cœur. Genre il a dame 10 euh, très pique, quoi. Pour, pour vous dire à quel point il overbluffe. Mais là du coup quand il fait 1,8 blind, ça me va pas du tout parce que euh, euh, je value pas du tout... Enfin genre je gagne pas du tout assez d'argent mmh. à le laisser euh... Et je, je lui laisse retrouver la zone équité. Genre tous les... tous les 5 et 4, 5 et 8, 8 et 9, 9 et 10... Même, même, même s'il a juste 9 et 10 de pique, je lui laisse... Enfin tu vois, il joue, il, joue les, il joue les 8 et c'est déjà, déjà beaucoup 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 trop. Tu vois, lui laisser juste une carte dans le paquet, tu vois, c'est déjà trop. S'il fait un tiers, il allait quitter en fait. Et, euh, et genre, en fait je suis content genre de value tous les... Genre imagine il a genre roi 10 avec le roi de cœur, il faut jamais. Mmh. Euh, un 6X avec un cœur, il faut le jamais. Euh, les doubles paires que je vais value, il faut jamais. Euh, il a le droit d'avoir genre bah, il, a, il lui reste des combos de valet, genre il lui reste le valet de trèfle dans le paquet. Il adore d'avoir valet 10 etc. Genre un valet même un valet X avec un cœur. Enfin, genre ça peut être monstrueux. Tu vois, genre j'ai quand même beaucoup de value et de toute manière tous les random bluffs. Genre bah, tout ce qui est euh, trash hand absolu. Donc en gros euh, euh, je sais pas roi 8 off sans cœur euh, dames etc. Qu'importe mon sizing de raise. C'est des mains qui va auto fold. Du coup j'ai raise très cher parce que j'ai enfin très cher 3 X et demi IP. Euh, de base je voulais même faire. À la base je voulais check raise à huit et demi J'ai dit vas-y Vas-y, bah, hassle peut-être pas, tu vois. Euh, du coup, j'ai fait 7. Mais de base, mon plan, c'était vraiment de faire, genre, 9, tu vois. Et, euh, sauf que je me suis dit que c'était un hit. Et qu'en vrai, quand je fais, genre, 9 blindes, bah, genre, imagine, il a, genre, euh, je sais pas, genre, euh, 10 et 6 avec le 10 de cœur. Bah, en fait, je pense qu'il fold quand je fais 8 ou 9, tu vois. Ouais. Du coup, j'ai fait 7 parce que c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment le sizing qui le met dans la merde, tu vois. Genre, c'est le sizing où, bah voilà, il, il, a, genre, euh, il a, genre, 8 et 9 euh, avec un cœur, bah, il est obligé de call, il a... Il a genre, euh, genre 6x de cœur, il snap call, il a, il a genre Roi-8 off avec le Roi de cœur, il, il doit call, tu vois. Donc, euh, donc en vrai, j'ai estimé que c'était le Sazim qui allait lui, lui faire faire des erreurs potentiellement. Et, euh, et voilà. Et bon, bah, du coup, il a fold puisqu'il avait Dame-10 sans cœur. Ouais, J'aime bien ce voilà. que, que tu dis sur, sur sa range de, de call à la turn. Et pas sûr qu'en plus ce profil-là serait embarqué dans un, un, un barrel supplémentaire river Je, Je pas pense sur... pas non plus. Un pure fold... Hold. Si tu vas décider de défendre 1,3 um, 3 Moi ouais, il a open, je just call. Ouais. Euh, en vrai j'aurais dû clic, c'est my bad, c'est mal joué de ma part. Je dois 3 bluff. Ouais, euh, je, dois, je dois 3 mettre à 7 et demi et folder mmh. quand il jam et basta. Voilà, ouais. c'est mal joué de ma part mais bon, le en plus puis j'avais valé six de pique bref. Donc euh, donc euh, ouais ouais j'ai mal joué dans cette main. Euh, spot encore contre le Bordelais. Euh, bon on a un limp call. Euh, et déjà flop on a déjà une vraie une vraie question parce qu'il fait mi -po. mi po ouais. Et en vrai je pense que c'est le... Enfin, c'est un très bon sizing. Hein. Mais en fait ça me met déjà tellement dans la merde. Euh, J'ai pas de carreau. Je joue le valet. Mes rois sont même pas forcément clean. Et en fait, c'est con, mais je pense qu'il a pas assez de bluff dans ce sizing là. Je suis pas sûr qu'il bête 100%. Genre, admettons qu'il a genre 10 et 2 off. Je suis pas sûr qu'il bête auto pur euh, mipo, tu vois. Surtout que c'est un board qui avantage relativement ma range. Genre, en fait, quand tu regardes ma range de Lim Call, euh, c'est un board que je tabasse, tu vois. Genre, j'ai tous les dames 10, Valet 10, euh, 9 et 10, 8 et 9, euh, 6 et 7 soutes, etc. En fait, c'est un board vraiment que ma range encule. C'est à dire que du coup, déjà, je pense qu'il va jamais bête range ce board, Genre, jamais, 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 jamais. Et si tu le prends son pire trash end, je suis même pas sûr non plus qu'il le bête 20 deep ce sizing là, tu vois. Mmh. Donc, en fait, déjà. Sa range, je pense qu'elle est peut-être relativement déséquilibrée en value, value protect, tu vois. Alors, je pense que je vais quand même un peu trop souvent run dans, dans, dans une dame, euh, dans un, un tu vois, genre un valet 9 qui ridraw, 9 et 10, euh, euh, As9 et compagnie. Et euh, du coup euh, la question de call au, au flop se pose déjà, parce que déjà mes rois ne sont pas tout le temps clean, tu vois. Mais euh, je pense quand même que c'est dur. C'est quand même dur de folder ici. Euh, good shot une over. Donc on va call. Mais euh, disons qu'on n'est pas heureux. quoi. Et sur brick, bah, bah on s'en va. Quoi. Ouais. Tu te rappelles ce qu'il avait ici Il avait deux dames. Deux dames. Pas mal. Mais le, le flop est dur en vrai. Hein. Le flop est dur, je trouve. Euh... Ouais, c'était vraiment pas easy à manœuvrer. Ouais. Bon, on a fait 10. Il n'y a pas de questions. Roi 6, pas de questions. 5 et 6, pas voilà. de questions. va 15 blindes les là les déjà. Assez... Je peux faire avec les flèches parce que là c'est fini là là <laughs> là ça, là pendant là pendant 30 minutes in game j'ai passé 30 30 minutes à folder 90% ouais, si un petit 3, hein. ah, ah, on va on va on peut parler de cette main effectivement on survie un petit peu <laughs> euh, bah, du coup défense pré-flop standard ouais. euh, ça va ça va bête auto à trop haute fréquence au flop j'ai une main qui a des bonnes propriétés à check raise euh, forcément avec mes backdoors et mes bloqueurs et euh, je m'attends que ça bête bah, But, but, trop en fait. Alors en gros, sur click, en gros, si je check raise all-in ou si je check raise genre à, ouais, si à 4,5 ou all-in, en fait là ça colle bien, ça fait pas rire, En fait, Si tu regardes la range de mm. bet call versus all-in, en fait le bordelais il va bien call, tu vois, il va il, va call, il va call un 8, il va call 2-9 de 10, il va call un valet, il va call euh, dame 10 de pique, etc. Bref, ça va bien se défendre. En revanche, quand tu regardes ce qu'il est censé payer versus check click, bah en fait, il doit call énormément et les mecs le font pas, c'est-à-dire que là, dans ce spot, quand je clique, euh, Roi-Dame sans pique, c'est un pur call, tu vois. Mm. Bon, je te spoil, il avait Roi-10 il a snapfold mais tu vois, bah typiquement, Roi-10 versus click, il doit payer, il doit payer, ouais. il a l'équité, il tu vois. Et en fait, et du coup, c'est, genre, cliquer, quand t'es short ça, genre Deep c'est le sizing par excellence qui va faire faire des erreurs à des adversaires, parce qu'en fait, en fait, bah, en, en termes de MDF, c'est là qu'ils vont, en fait, vont mal se défendre. Ils vont folder des mains qui ne sont pas des folds par rapport à mon sizing et par rapport à ce qu'ils ont à. Par rapport à ce qu là, il a 1,7 à mettre dans un pot qui va faire 11, tu vois. Il mmh. euh, a besoin d'être bon une fois sur 10, au moins il ne doit rien fold. Tu vois. Et, euh, ouais, c'est intéressant coup, ouais, le, bah, le size. C'est un bon sizing, c'est enfin, le sizing qui va bah, induire le plus d'erreurs en tout cas. Et qui ah, va pour un grand temps, en plus, parce que tu étais à 15 blindes, tu repasses à 21, ouais, c'est. Euh... Ouais. C'est quand même si blindes à ce moment-là du tournoi, c'est énorme quoi. Bon là, tu folds, il n'y a pas grand chose à dire. Dame 3, ça va fold. Dame valet, on va fold. Valet 9, on va fold. Tu retombes à 18 blindes. On fold, on fold. fold. Ici, ça va être un, un... all-in, évidemment. Tac, tu vas fold ici. As 10. Tu vas décider de l'open. Mexi bro qu'on a vu en TF je crois hein, de souvenir bon là t'as un fold facile du coup euh, du coup j j évidemment j'aurais call. ouais si la bébé avait foldé euh, j'avais un raise call je pense à Casper ouais. et, là, et là du coup juste euh, ah, fold. Bon, okay. le bord de l'équipe voilà. euh... fold 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 ouais. As fold pas, on pas... ouais on a pas joué une main là on a tout foldé ouais là tu as putain l'horreur tu sais quand tu viens dégraine et tout tu te prends que des trucs tu peux rien faire ça ressemble à ton début de tournoi du coup non le début de tournoi il y a eu un tournoi coup, vachement inégal est... en termes de, euh, de run. Là, on est en... Ouais, ouais, ouais de ouf. Là, on est en demi-finale, c'est bon. Là, on est 11 left, donc là, je viens ouais. de... on vient de prendre le palier. Je viens de prendre le palier de 11 left, donc là, je suis assuré de... Je suis assuré non, de 30 000, non, 000 non, euros. Comme ça ouais, quelque chose comme ça, je vais te dire. Je suis assuré ah, de... Je suis assuré de 26 000 euros. 26 000 euros plus KO. Ouais, ah, magnifique. Euh, on vient de prendre le palier, du coup. C'était un... Un, à... un palier à 8 000 euros. Donc là, je viens de prendre un palier à 8 000 euros, c'est plutôt cool. Et, euh, et on se retrouve sur cette dernière main, euh, du coup, qu'on a run. Euh, alors, du coup, là, il faut savoir que ce que j'ai expliqué à plusieurs reprises, c'est que le même spot, dans un autre état d'esprit, dans un autre tournoi ou autre, je pense que je fold. En gros, admettons que, ok, j'ai A3 contre deux dames, je viens de perdre le coup, et là, je viens de tomber à 8 blindes. Là, il me reste 8 blindes, et j'ai ce spot. Je pense que je fold, tu vois. Mm. Mais là, la dynamique faisait qu'en gros, là, ça doit faire à peu près 30, 35 minutes que je fais que foldé je fais que 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 foldé j'avais 20 blindes je fais que fold 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 30 minutes que j'ai pas un spot genre je, je... 30 minutes que j'ai même pas une main pour faire tapis tu vois et je me trouve dans cette situation où enfin j'ai une main qui en chips V c'est un call je me retrouve Bbb contre un reg fish la bi 24 qui me couvre en KO et, euh, et je sais voilà je sais qu'en chips ouvert c'est un pur call au roi machin et donc là je me dis juste bon bah en vrai Bonne chance, tu vois. Genre, euh, j'ai enfin une main qui va rapporter de l'argent. Et j'ai pas cherché à pousser la réflexion en mode ouais, on est à 11 lèvres de 400k, les mecs vont être plus nit, machin. J'ai juste vu le... ok, le mec c'est un Recfus à 25 il connaît ses ranges, il me couvre en KO, il sait que je vais rien call. Genre, c'est tellement facile pour lui de jam 5 et 4 sous de jam any, any, any valet, any 10x, any damix, etc. J'ai hauteur, j'ai hauteur roi, je, je, je crush une énorme partie de sa range. Enfin, tu vois, genre, en gros, j'ai... Je Dois avoir peut-être 65 ou 70% contre sa range d'open shove, je pense. Euh, en tout cas, c'est ce que j'ai estimé. Du coup, j'ai call et on a. On a bon, bah, c'est la dernière main donc on a, on a busto là-dessus. Et euh, au final, on a run le spot du coup. J'ai run le spot un peu plus tard, euh, HRC, etc. Avec la range de jam estimée. Et euh, Roi d'Off est un fold. Le bottom de call, enfin le. Euh, roi 4-Off. Roi 4-Off rapporte 0,3 de V donc c'est quand même pas mal. Genre 3 BB 100 quoi. Euh. Dans cette vrai, config, détails, genre... Tu parles dans cette config oh. d'ICM ou tu parles en type CV là Ouais ouais à 11 left dans okay. sous ICM machin ouais. avec une range estimée de jam de Alex Corvin etc Le bottom de call c'est Roi 4 off et en vrai tu vois c'est des détails parce que Roi 2 Roi 4 offre C'est ouais. vraiment, euh, vraiment anecdotique tu vois Mais effectivement Roi 2 ça, ça perd genre euh, ça perd genre je crois euh, 4 bb 100 un truc comme ça alors que Roi 4 offre t'en rapporte 3 BB 100 Donc il y a quand même un big gap de 7 ou 8 bébés tu vois qui est relativement énorme, mais bon, j'étais pas du tout frustré, j'étais pas, j'étais pas non plus mécontent de mon call, tu vois, parce que parce qu'encore une fois, j'estime, tu toi, on avait run que j'avais, bon, au final j'avais genre quelque chose comme 45% lifté contre un range de jam, et et voilà. Mais encore une fois, voilà, si là tu, là demain, là, je lance ma session, tu me mets ce spot, bah je le fold, je suis pas du tout tilté, machin, Là, c'est vrai que le fait pendant 30 minutes, tu te vois folder 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 il y a un truc où tu dis, bon Dieu bénisse, j'ai enfin un spot, je le prends et bonne chance. Ah ouais, Moi, je comprends complètement. Euh, et voilà. Est-ce qu'il n'y avait pas de palier, etc. Genre, on aurait été 12 left, enfin, on aurait peut-être Indius à foldé pour le palier, etc. Là, c'est vrai qu'il y a plus de palier avant 9. On est loin, j'ai 7 blindes, je suis dernier en stack. Let's go, quoi. Ouais. Bon Tu prends quand même 34 000 euros avec cette perf. Tu finis 11 e ouais, Et puis, euh... j'avais swap avec, euh, avec un joueur qui a fini, euh, qui a fini 3ème, donc j'ai même. J'ai même gagné 40 000 euros net sur ce tournoi. C'est pas, <laughs> pas, pas, pas mal. Pas mal du tout. Même. Bah en tout cas, gros GG. Moi, j'ai kiffé euh, ton, En tout cas, suivre ton Ren. Je pense que là, même si prendre le temps, on a fait plus de deux heures de vidéos sur, uh, sur ça. J'espère que ça vous plaira, en tout cas, les gars, sur, uh, sur YouTube. Je vais kiffer ouais, un petit vraiment moment, cool. mais ça fera sûrement une vidéo de deux heures. Et moi, j'ai surkiffé, en tout cas, discuter demain avec toi. Merci ouais, d'avoir pris ce temps-là, euh, Query. Franchement, c'était incroyable. Bah, euh, merci à toi pour l'invite. Bah, bah, cool. Pas de souci. Et euh, puis, j'attends le prochain DeepRun pour te réinviter, du coup. Au plaisir sur le <laughs> sur le prochain 3 millions event parce que je sais pas si on voilà, à 5 millions en avril mais 3 millions sûrement et vu vu à quel point il a pété la garantie 6 000, on a fait 6 millions que... 200 mille je crois non bah ouais ouais Incroyable. donc vu à quel point il a la garantie a pété je pense qu'ils peuvent ils peuvent juste mettre en mode 4 millions, au moins 4 millions, tu vois, genre ils savent que ça pète Ouais en tout cas, incroyable. Et gros GG à toi, mon poulet. C'est trop plaisir pour toi. Merci beaucoup. Et en plus, tu as enchaîné les perfs juste derrière. J'ai vu passer 2-3 perfs juste avant et juste derrière. Ouais, j'ai J'ai bien enchaîné. Ça a bien pris. J'ai fait une excellente fin d'année. Un très bon début d'année 2024. Je suis sur un petit nuage. C'est cool. mortel. Bah good de la toi pour la suite en tout cas. Je vais couper l'enregistrement les gars. Beaucoup. Je vous dis euh, à très vite. N'hésitez pas à me faire un retour sur le format, euh, les interviews. Moi j'aime bien les trucs calés qui sont plutôt longues. Je sais que c'est pas le format idéal pour YouTube, mais je trouve qu'on a, on a pu aborder un peu l'ensemble du tournoi et c'est, c'est hyper euh, instructif en tout cas. Donc euh, voilà. Bon des bisous à tous en tout cas. Salut Quering, merci pour euh, tout oh. ça et euh, ciao ciao tout le monde. Bye.